Hilchot Sfirat HaOmer, Halakha Alef, dans l'écouté Halakhot, page 336, paragraphe Dalet, la première colonne à droite. Al-Kayn Yemei HaSfira Hem Sheva Shabbatot. C'est pour ça que les jours de la Sfira, on compte le Homer, c'est 7 semaines. Prinat Tshuva, qui est le principe de la Tshuva, chez Prinat Shabbat, qui est des principes de Shabbat, comme je katouv, les Shavta, Atashem Lokecha, comme je me vois Hashem. Donc, Tshuva, ça veut dire Shabbat, parce que le mot Shabbat, ça veut dire revenir. Les Shavta, Atashem Lokecha, ça veut dire tu reviendras vers Hashem. Et ça, c'est Shabbat, puisque le retour vers Hashem, c'est de sortir de ce monde, c'est ça le retour d'Hashem. Alors, d'être dans ce monde, et de quitter tout ce qui fait partie du mensonge de ce monde pour aller vers la vérité. Et la vérité, c'est une vérité qui vient du monde futur, c'est pas une vérité de ce monde. Dans ce monde comme il est, si on le regarde comme il est extérieurement, il n'y a aucune vérité. La vérité, elle vient de l'autre monde. Ce monde-là s'appelle un monde de mensonge. Donc quand on veut faire tshuva, on va revenir vers la vérité. Alors on rentre dans Shabbat. Shabbat, c'est le monde futur. Alken tsichim sheva shabbatot, tsichim lasot tshuva al tshuva. C'est pour ça qu'on doit compter 7 shabbat. On dit sheva shabbatot, ça veut dire 7 semaines, mais on dit 7 shabbat, on ne dit pas 7 semaines. Pourquoi? Parce que toute la semaine, tout son nom, il est par rapport au shabbat. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de shabbat, la semaine, elle n'a aucun sens, elle n'existe pas. Elle existe par rapport au shabbat, c'est le point central, c'est le point vital de la semaine. C'est-à-dire, quand on a le mérite de savoir que Shabbat, ça existe, quand on a le mérite de garder Shabbat, de faire kiddush et de faire un petit peu, de chanter un peu le Shabbat, d'étudier un peu la paracha, de regarder un peu ce qui se passe, et d'avoir sa pensée dans un autre monde, alors c'est ça la vie. Tout le reste après, c'est que de l'emballage. Les autres 6 jours, c'est juste... Des jours qui servent à emballer le Shabbat, mais le véritable jour, le point central de la semaine, c'est le Shabbat. Donc maintenant, grâce à Shabbat, comme il dit ici, Shalidei Shabbat nitakinin yemei hol. Grâce au Shabbat, les jours de la semaine, ils se réparent. Qu'est-ce que ça veut dire que les jours de la semaine ils se réparent? C'est-à-dire que les jours de la semaine ils sont lunaires. Et le Shabbat, il est solaire, comme la Gemara dit, que le soleil, le Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres. Shemesh beShabbat, tzedaka la'aniyim. Gemara dit que quand il y a du soleil Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a du soleil Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres? Ça veut dire que la lumière qu'il y a le Shabbat, c'est une tzedaka, c'est une offrande, c'est un cadeau. Un don qu'Akadosh Baruch Hu fait aux pauvres. Les pauvres, c'est quoi? C'est des gens qui sont dans les 6 jours de la semaine. Alors ça, c'est des pauvres. Je dis, ils sont pauvres, pourquoi? Parce que mentalement, ils sont pauvres. Parce qu'ils vivent dans la matière, ils vivent dans le côté lunaire. Et le côté lunaire, s'il n'est pas... Si la lune, si elle n'est pas en face, si elle ne se met pas en face du soleil, si elle ne se positionne pas en face du soleil, elle n'a aucune chance de pouvoir avoir aucune lumière, puisque d'elle-même, elle n'a aucune lumière du tout. Au contraire, c'est de l'obscurité. Encore, la lune, c'est un astre qui est, si on veut dire entre guillemets, il est passible, il est passif, mais la matière, même sa passivité à la matière, c'est déjà quelque chose de négatif, parce que le fait que la matière, elle est passive, alors il y a des gens qui sont attirés par la matière, alors que normalement, si la matière elle était active, elle devrait refléter la volonté du soleil, c'est-à-dire la volonté d'Hachem, la volonté de la sagesse, de la chorma. Et normalement, la lune, elle devrait être active, c'est-à-dire le côté matériel, il devrait être actif. Mais elle a dit, mais s'il y a deux rois qui ont... Comment deux rois ils vont régner? Comment deux rois ils vont porter deux couronnes? On ne peut pas avoir deux rois dans un pays. C'est-à-dire que si maintenant c'est le règne de la matière, alors à quoi ça sert si c'est le règne de la matière?
À quoi ça sert le soleil? C'est-à-dire que maintenant, si la lune, elle reflète entièrement le soleil, c'est-à-dire que quand on regarde la lune, on ne voit pas de différence entre la lune et le soleil. Alors on dit, à quoi ça sert ce monde? Il ne sert à rien. Si maintenant c'est un reflet parfait du monde futur, alors que les gens, tout de suite, ils vont vivre comme dans le monde futur. Qu'est-ce qui va les faire grandir? Comment ils vont grandir? Alors tout le nian de grandir, c'est par ce retour permanent, c'est-à-dire on retourne toujours vers le soleil, c'est-à-dire il y a une force d'attraction qui est la force terrestre, qui est la force lunaire, c'est une force d'attraction vers le bas, puisque tout ce qu'on jette, on lance même vers le haut, ça retombe sur la terre, c'est-à-dire la terre, elle a une force d'attraction, le côté lunaire, il a une force d'attraction. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il il est en lutte permanente entre cette force d'attraction qui est matérielle, la pesanteur, c'est-à-dire ce poids de la matière qui est en nous, c'est-à-dire le fait qu'on doit manger, le fait qu'on doit dormir, le fait qu'on doit travailler, qu'on doit se marier, qu'on doit faire tout ce qu'on a, on a besoin, des besoins physiques, etc. Ça, c'est de la pesanteur, c'est un poids qui tire vers le bas. Et l'homme, il doit être comme le saumon, c'est-à-dire il remonte le courant, il va contre le courant, c'est-à-dire il va tout le temps vers le Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, c'est un jour de repos. Mais c'est pas un jour de repos, c'est un jour de repos par rapport au contre-courant. C'est vrai que le Shabbat, il n'y a pas de contre-courant, donc on se repose. Mais ce repos-là, il veut dire s'investir dans la recherche d'Hachem. Comme quelqu'un maintenant, il rentre dans une station-service, c'est-à-dire au moment où il est arrêté, c'est sûr qu'il ne consomme pas d'essence. S'il se gare à la station-service, il va voir que la jauge de son réservoir, elle ne baisse pas parce qu'il ne consomme pas d'essence. Mais il ne va pas rester habité dans la station-service, il faut qu'il remplisse le réservoir et il continue à rouler. Alors tout le nian du Shabbat, c'est d'aller puiser de l'énergie pour pouvoir un petit peu se décoller de la pesanteur pendant la semaine. Sinon, la pesanteur, elle nous avale. Sinon, il n'y a personne qui peut résister à ce monde. Qui est-ce qui peut résister à ce monde? Que les grands tzadikim, des gens qui sont venus et qui ont commencé à travailler très jeunes et qui sont nés dans des conditions favorables aussi. Même Rabbi Nachman, quand il dit que c'est là où il est arrivé, ce n'est pas parce qu'il était le petit-fils du Baal Shem Tov. Là où il est arrivé, c'est parce qu'il a travaillé très dur. Mais je veux dire, quand quelqu'un il est né dans la maison du Baal Shem Tov, à Medjibouz, qu'il est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, et que dans cette maison-là, toutes les semaines, il passe tous les tzadikim de la génération, il est quand même beaucoup plus avantagé que quelqu'un qui est né sur le boulevard Voltaire et qui voit ce qu'il voit toute la journée. C'est sûr qu'au départ, déjà, la personne, elle est pas tellement favorisée. C'est vrai que quand quelqu'un est né au boulevard Voltaire et il voit ce qu'il voit, c'est en soi-même, c'est une punition. C'est-à-dire que si quelqu'un est né là-bas, c'est parce que il a fait ce qu'il a fait dans les vies antérieures. Maintenant, on lui dit, bon, on va te laisser essayer, tu vas retourner et là-bas, tu prétends que tu veux, etc. Alors voilà, on va te mettre, mais on va pas te remettre au premier rang, sache-le que le premier rang, tu vas pas être au premier rang, que tu vas voir tout de suite les tzadikim, etc., que tu vas avoir conscience de la vérité tout de suite, tu vas passer par des galères, tu vas galérer bien dans ce monde, mais si tu veux, tu vas t'en sortir. Mais c'est sûr que c'est pas, même si le niveau de Rabbi Nachman, il l'a obtenu par son travail, mais d'abord il est né dans les conditions où il est né, avec des parents qui étaient ce qu'ils étaient, dans une atmosphère qui était ce qu'elle était. C'est sûr que s'il n'avait pas travaillé, il aurait été un juif moyen et il aurait une vie tout à fait banale. Mais il a travaillé, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais la base, elle est quand même importante, c'est-à-dire quand quelqu'un il naît dans des conditions et qu'on lui a appris, on lui a fait croire que la vie c'était ça et que le monde il était basé sur la politique, ou sur la philosophie, ou sur la médecine, ou sur la réussite et que de faire l'ENA ou de faire HEC, tout c'était ça le but de la vie, etc.
Alors, c'est sûr que les gens, ils ont la tête à l'envers déjà à la naissance, avec des, ils sont bien contaminés déjà depuis le départ. Alors, toute la nekouda du Shabbat, c'est pour se débarrasser de toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il faut trouver un pôle d'attraction qui soit plus fort que la pesanteur de ce monde. C'est tout ce qu'il y a à trouver. Et un pôle d'attraction, que ce pôle d'attraction, il est plus fort que tout ce qu'il y a dans ce monde. Le but, c'est de trouver, on est là pour trouver ce pôle d'attraction. Celui qui a trouvé ce pôle d'attraction, Bémet, il est sauvé complètement, c'est fini. Alors, on voit dans le Sipurim HaSiyot, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. Si vous pouvez éteindre le micro, je ne sais pas qui est-ce qui a un micro qui est vert. On voit dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte du fils du roi, du fils de la servante, quand le fils du roi il va pour retrouver sa place, alors il se présente dans le pays où on va lui donner les épreuves qu'il faut passer pour devenir roi, et on lui montre un jardin, et dans ce jardin-là, quand quelqu'un rentre dans ce jardin, on se met à le poursuivre. On se met à le poursuivre et la personne, elle s'affole et elle se donne des coups. C'est pas, il n'y a personne qui la frappe, mais le fait qu'elle s'affole et qu'elle court dans tous les sens, alors elle se donne des coups. Alors lui le fils du roi, comme lui, il avait reçu comme cadeau du tzaddik, il avait reçu le principe de comprendre, de déduire une chose d'une autre. C'est-à-dire, la force de déduction en soi-même, c'est un principe shabbatique. Parce que la force de déduction, c'est comme le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est Akadosh Baruch Hu nous appelait à nous Béni Bechori Israël. Akadosh Baruch Hu nous appelait, nous, on est les aînés du monde. Nous, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous appelait. Mes enfants, Béni Bechori, et que mon fils, mon aîné, c'est-à-dire nous, on est les aînés du monde. Qu'est-ce que c'est l'aîné? Que c'est le droit d'aînesse? C'est l'aîné, c'est quelqu'un qui reçoit deux parts dans l'héritage. C'est-à-dire, quand il y a, disons, dans une famille, il y a par exemple cinq garçons, et alors ces cinq garçons, ils vont hériter. Disons que le père, il a laissé 100 000 euros. Alors les cinq garçons, ils vont hériter ces 100 000 euros. Comment ils vont se partager? Ils vont faire un calcul que le premier-né prend double part, et les autres, ils prennent part égale. Alors, si vous faites le calcul dans 100 000 euros, je ne sais pas combien c'est, mais disons que 4, ils vont prendre 15 000, et le premier, il va prendre 30 000, par exemple. Bon, ça ne fait pas tout à fait 100 000, ça fait 90. Ajoutez encore 2-3 000, ça va arriver à 100. C'est-à-dire, le premier-né, il prend une double part. Ça veut dire que le premier-né, il a la force de pouvoir vivre dans ce monde avec une vie qui est ambivalente, c'est-à-dire qu'il sait vivre dans la matière, mais sans être pris dans le courant de la pesanteur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a, dans ce monde, il sait qu'il y a de la pesanteur. Il sait qu'il y a de la pesanteur, mais il y a un autre monde, que cet autre monde-là, il a une apesanteur encore beaucoup plus forte que ce monde-là. Il suffit de s'y attacher, il suffit de vivre avec. Maintenant, les éléments les plus forts du monde, en apesanteur, qui est à l'envers, c'est-à-dire j'appellerais la pesanteur à l'envers, c'est-à-dire la pesanteur qui va de bas vers le haut, c'est-à-dire une force d'attraction qui va du bas vers le haut, comme quand vous regardez, si vous voyez un film à l'envers de quelqu'un qui saute du troisième étage, alors si vous le voyez à l'envers, vous voyez qu'il remonte de la terre vers le troisième étage. Okay. Alors maintenant, le Shabbat, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur terre qui sont des éléments shabbatiques. Ces éléments shabbatiques, c'est trois choses. Il y a trois pôles d'attraction principaux dans le monde. C'est dans le temps, c'est le Shabbat. Dans l'espace, c'est Eretz Israël. Et dans l'individu, c'est le tzaddik de la génération.
Ces trois éléments-là, ce sont des pôles d'attraction qui sont à l'envers par rapport à l'attraction terrestre. Il y a l'attraction terrestre et il y a l'attraction extraterrestre. Maintenant, l'attraction extraterrestre, elle tire vers le haut. Maintenant, c'est quelqu'un qui rentre dans le Shabbat. Il faut qu'il vive son Shabbat comme un jour où il va essayer de, pendant ce jour-là, de s'imprégner du Shabbat. Pourquoi le Shabbat, c'est un jour où il n'y a rien à faire de spécial? Pourquoi c'est un jour on appelle entre guillemets que c'est un jour de repos, mais ce n'est pas du tout un jour de repos, c'est un jour d'inversion du système. Ça s'appelle repos par rapport au système comme il fonctionne dans la semaine. C'est-à-dire, comme dans la semaine, il y a une prédomination du principe de l'attraction terrestre, de la pesanteur, le Shabbat, il va y avoir une attraction extraterrestre. Maintenant, plus quelqu'un il va s'investir dans le Shabbat, plus quelqu'un il va se rapprocher du tzaddik, plus quelqu'un il va se rapprocher de la terre d'Israël et chercher la sainteté de la terre d'Israël, et plus il va arriver à se décoller un petit peu de ce monde. Le but dans ce monde, c'est pas de se décoller complètement, parce que si on se décolle complètement, on a raté l'affaire, puisque le but, c'est pas de se décoller complètement, sinon on n'a rien à faire ici. Le but, c'est de vivre dans la pesanteur, mais avec une énergie, que cette énergie-là, elle soit qu'elle ait la même force que la pesanteur terrestre, de manière à ce que on tombe pas sur la terre, c'est-à-dire qu'on arrive à se maintenir à un certain niveau. Dans le Sipurim Asir, dans les sept mendiants, Rabbeinu il rapporte là-bas qu'il y avait des gens qui pouvaient faire des vents. Il y avait des tzadikim qui pouvaient produire des vents. Alors ils arrivaient à faire des vents qui étaient des vents de la même intensité que le vent qu'il y avait. Et ça faisait que la chose, elle se maintenait sur place. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à produire une apesanteur extraterrestre qui est équivalente à l'apesanteur terrestre, alors ça fait que la personne, elle vit à un certain niveau spirituel. Alors tout le lien de Shabbat qui s'appelle revenir, c'est-à-dire Shavta Hashem Elokecha, dit revenir, ça veut dire revenir quoi? Revenir vers la pesanteur, mais la pesanteur extraterrestre. C'est ça le principe du Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, on nous fait sortir de ce monde pour nous charger en énergie extraterrestre. Et c'est vraiment une énergie extraterrestre. C'est pas quelque chose de... C'est pas une théorie philosophique. Parce que si c'était une théorie philosophique, normalement, un non-juif, il pourrait garder Shabbat. Mais un non-juif, il peut pas garder Shabbat. Parce que c'est pas parce qu'on veut l'empêcher de faire Shabbat, c'est parce qu'il peut pas vivre le Shabbat. C'est-à-dire cette énergie-là extraterrestre, qui tire vers l'au-delà, si quelqu'un il n'a pas une neshama juive, il ne peut pas vivre ça, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que la personne, elle va se détruire tout de suite. Dès qu'elle rentre là-dedans, elle se détruit. Elle ne peut pas. Alors maintenant, quand un non-juif il est en cours de conversion et tout, alors il garde Shabbat, mais on lui fait faire un travail, une melacha quelconque, de manière à ce que il troue un peu son ballon, de manière que ça descende un petit peu, que le Shabbat il soit pas trop fort pour lui. Alors le principe de la tshuva, c'est ça. Le principe de la tshuva, les maasés, c'est de trouver des pôles d'attraction. C'est ça la tshuva. C'est-à-dire, il y a une tshuva qui est prinat chol, et il y a une tshuva qui est prinat Shabbat. La tshuva du chol, c'est que le bonhomme il monte sur le ring, il met des gants de boxe et il commence à cogner, c'est-à-dire contre le Yetzirah. Il se met à donner des coups au Yetzirah, mais toujours dans la pesanteur terrestre. C'est-à-dire il lutte dans la pesanteur terrestre. Mais maintenant, il y a une tshuva qui s'appelle tshuva prinat Shabbat. Il y a la tshuva du Chol qui s'appelle Shisha Sidre Mishnah, par rapport aux six jours de la semaine. Et il y a une tshuva qui s'appelle Shabbat. La tshuva de Shabbat, c'est quand tu rentres dans des pôles d'attraction, que ces pôles d'attraction,
c'est eux qui vont travailler. C'est-à-dire, toi, tu ne vas plus travailler du tout. C'est-à-dire, tu n'as plus d'effort à faire. Ton effort, c'est de rester à côté du pôle d'attraction, c'est tout. Alors, dans le Sipurim HaSiot, comme on est dans le Shabbat là-dedans, c'est ce qu'il a trouvé le Ben Meller. Quand il est rentré dans le jardin, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il était persécuté, il a vu là-bas qu'il y avait un homme, qui avait le dessin d'un homme, l'effigie d'un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à côté de cet homme-là. Et quand il s'est mis à côté de cet homme-là, alors tout de suite, tout s'est calmé, il n'y a personne qui le poursuivait. Pourquoi? Parce que quand il s'est mis à côté de cet homme-là, qui est le tzaddik, qui est Prinat Shabbat, comme la Gemara dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, que les Tanaïm disaient à Rabbi Shimon, « Anto Shabbat dekuleu yoma » Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire, Rabbi Shimon lui-même, il s'appelle Shabbat. C'est-à-dire, c'est un homme shabbatique en lui-même. C'est-à-dire, c'est un homme, il n'a pas la pesanteur. Les guerriers de David Ameller, il a fait une opération dans le talon. C'est écrit que dans le talon, il y a quelque chose qui fait qu'on est sensible à la pesanteur, qui fait que notre corps, il touche le sol. Mais si on enlève quelque chose dans le talon, alors la personne, quand elle court, elle fait des bonds de 4 mètres ou 6 mètres. Elle ne court pas comme un Ben Adam normal. C'est-à-dire, après, elle donne un peu de force, parce que la pesanteur, elle est beaucoup, beaucoup moins forte. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le talon. À l'époque, ils savaient ce que c'était. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ça. Mais peut-être qu'ils savent que c'est pas... Mais en tout cas, les gens qui étaient dans l'armée d'Abid Amel... Hein? Le talon d'Achille. Je ne sais pas s'il s'appelle le talon d'Achille ou de quelqu'un d'autre, mais dans le talon, il y a quelque chose qui fait que... qui se connecte à la pesanteur de la Terre. Quand on enlève ça, la force d'attraction de la Terre, elle est beaucoup plus faible. Donc la personne, après, elle peut courir et faire des bonds et courir très très vite. On dit par exemple pour Naftali, quand il est venu d'Égypte, et il est venu, non, il est allé de Hevron. Il a couru de Hevron jusqu'en Égypte pour aller chercher un shtar, un truc en quelques heures. C'est-à-dire qu'il courait très très vite. Parce que c'est des gens que même physiquement, leur corps, il ne fonctionnait pas pareil. Parce qu'ils étaient attachés à cette attraction extraterrestre qui est le contraire de l'attraction terrestre. Maintenant, quand lui, le fils du roi, il a vu que là-bas, on persécutait l'homme et il courait dans tous les sens, il prenait des coups, il a compris qu'il faut se mettre à côté du tzaddik. Maintenant, quand il s'est mis à côté du tzaddik, tout s'est calmé. Après, il a pris le tzaddik lui-même, il a sorti de là-bas, du jardin. Et quand il a sorti, après, tout le monde pouvait rentrer, il n'y avait plus de problème. Ça veut dire que maintenant, le jour où on va sortir le tzaddik du jardin, c'est-à-dire on va le sortir de la mélasse de ce monde, c'est-à-dire de toutes les compréhensions de ce monde. Le jour où quelqu'un, le monde, il va se rendre compte qui c'est Rabbi Nachman. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette semaine un non-juif qui s'intéresse à la Torah et qui suit les cours tous les jours pratiquement. Il m'a dit, moi, j'ai consacré toute ma vie à la spiritualité. Il m'a dit, moi, j'ai appris toutes les religions. Et j'ai passé ma vie que à ça. Et il dit, je peux vous garantir sans aucun doute que la vérité des vérités, c'est Rabbi Nachman. Il dit, des gens qui sont arrivés par ce que je vous dis, la recherche dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire la personne, elle est montée sur le ring, elle s'est mise à boxer, jusqu'à ce qu'elle a trouvé la vérité. Mais maintenant, il y a une vérité, il y a une façon de trouver la vérité qui est beaucoup plus facile que ça, c'est de se mettre dans Shabbat. Alors ça a l'air une vérité passive, mais c'est pas une vérité passive. Quand quelqu'un il se met dans un vent qui aspire, c'est pas passif. C'est-à-dire c'est passif par rapport à ce monde-là qui est un vent qui expire, qui souffle. Mais si vous rentrez dans un vent qui aspire, c'est aussi une force. C'est pas rien du tout. Et c'est même une force beaucoup plus... Les gens ils présentent toujours ce nyan-là de Shabbat comme disant, bon, mais le massé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. C'est-à-dire de dire, voilà, je vis en Eretz Israël, puis c'est tout. Le fait que je vis en Eretz Israël, la terre elle-même, elle me transforme.
ou bien le fait que je me rapproche du tzaddik, lui-même il me tire vers le haut, ou le fait que je garde Shabbat, ça même ça me fait faire tshuva. Quelqu'un qui garde Shabbat, mochalim la kol avonotav, pourquoi quelqu'un qui garde Shabbat on lui pardonne toutes ses fautes? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi, il est en train de manger du tcholent et de la daf et ça, on lui pardonne toutes ses fautes? C'est quoi cette histoire? Le bonhomme, il a fait des avérotes dans la semaine. Maintenant, il vient, il mange de la daf, du kugel, il se repose, il fait la sieste. Et avec ça, ça lui pardonne toutes les fautes qu'il a fait dans la semaine. Oui, parce que toutes les fautes de la semaine, elles viennent de la pesanteur. Elles ne viennent pas de l'individu. Et massé, l'individu, c'est comme les trucs qui tournent avec le vent. Là, girouette. Voilà. L'homme, c'est comme une girouette, c'est tout. L'homme, c'est il choisit son vent, c'est tout. Il choisit son vent. Comme on dit, quel vent t'amène. Oui. C'est-à-dire, il y a un vent, autant l'emporte le vent. Le vent, il emporte les gens. Maintenant, l'homme, les mains, c'est son seul choix, c'est qu'il choisit le vent qui va le tirer, c'est tout. Mais il ne faut pas croire que l'homme peut faire grand-chose dans ce monde. Alors maintenant, quand les gens ils sont dans la pesanteur, alors ils veulent lutter contre les Tsehara dans la pesanteur, et ils font toutes sortes de théories, etc., pour se battre contre les Tsehara dans la pesanteur. Mais il faut savoir que ce qui est caché au fond de l'homme dans cette lutte-là, qui est une lutte dans la pesanteur, c'est la victoire, c'est l'ego de la victoire. Et ça, quand quelqu'un rentre dans Shabbat, il n'aura jamais ça. Parce que celui qui va gagner par aspiration vers le haut, jamais il pourra être sur l'affiche du victorieux. Parce que ce n'est pas lui qui va gagner. Il va être aspiré. C'est ça ce qui est écrit. Rabbeinu rapporte que les Tehilim, c'est les 49 portes de la tshuva, c'est dans les Tehilim. Maintenant, il dit que la tshuva d'Akadosh Baruch Hu, c'est la 50e porte. La 50e porte, c'est la tshuva d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la tshuva d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire tshuva? Alors, Chazal, ils disent que Akadosh Baruch Hu dit « Eviu la ikapara mishemi atit alvana ». Akadosh Baruch Hu dit « Amenez une offrande pour moi, je demande pardon que j'ai diminué la lune ». C'est-à-dire maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a diminué la lune? Ça veut dire qu'Hachem il a diminué l'évidence de la spiritualité dans la matière. C'est-à-dire que quand tu te trouves dans la force de la pesanteur, tu n'arrives pas là-bas à trouver qu'il y a une force extraterrestre qui peut te sortir d'ici. C'est-à-dire que dans cette matière-là, il y a des points d'appui que si tu rentres dans ces points-là, tu vas élever la matière, tu vas sortir de la matière en l'élevant. Ça, c'est très difficile à trouver. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a été même à être la levana. Il a diminué la levana, ça veut dire que la lune, elle n'a pas de lumière. Si la lune, elle avait de la lumière, si quelqu'un, par exemple, il viendrait comme les perroquets, c'est-à-dire si la lune avait de la lumière, normalement, quelqu'un, il se met à table pour manger, alors la nourriture, elle lui dirait « Eh, mon ami, tu as déjà assez mangé aujourd'hui, ça suffit, hein, la tavatahila, mon ami, c'est pas ce qui est conseillé. » Maintenant, si le manger lui dit ça, lui dit « Bon, ok, excuse-moi, et tout, il se retire, c'est tout. » Il va pas, ou bien il égorge le perroquet, ou il écoute, mais en tout cas, il a une manifestation de la matière. Tandis que le fait qu'Hachem, il a été mémaret, la levana, la matière, elle ne te communique pas, elle ne te parle pas. Elle te dit pas que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, ou que comme tu l'utilises, c'est pas bien. Quand quelqu'un, normalement, quelqu'un il va au Beit HaMidrash, quand quelqu'un vient pour étudier, voilà, quelqu'un il veut se lever pour étudier, etc. Alors, on a son corps, il doit le porter, il doit lui dire, allez, depuis déjà 1h du matin, il doit commencer à lui dire, allez, lève-toi et tout, on va y aller, c'est super et tout, il doit le porter, il doit l'aider. Pourquoi il l'aide pas? Pourquoi quand quelqu'un il va au Beit HaMidrash, il court pas tout seul, son corps il doit courir normalement. Et quand quelqu'un il doit faire une avéra, normalement la terre elle doit se lever contre lui, toute la matière. Il doit y avoir des vents qui viennent, des voitures qui viennent contre lui, des trucs et tout, pour pas qu'il fasse d'avéra. Normalement c'est ça que ça devait être, ça, ce monde. Alors à ce moment-là, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, et on circule dans ce monde, et on fait des mitzvot, et on fait pas d'avéra.
Mais maintenant, le fait qu'Hachem il a été même avec la Levana, il nous a mis dans un problème, que c'est le problème du monde. On est là, il faut gagner sa vie, il faut se marier, il faut avoir une maison, il faut manger, il faut dormir, etc. Et après qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui reste pour le monde futur? Il reste quoi? Alors Hachem, il nous a donné le Shabbat pour changer un petit peu le rythme, c'est-à-dire pour aller vers le haut. Maintenant, le Shabbat lui-même aussi, il y a une façon de le vivre, il y a une façon de se préparer, que si quelqu'un il vit le Shabbat pour mieux vivre encore la semaine, s'il se repose dans le Shabbat pour mieux attaquer le dimanche, c'est sûr que ce n'est pas un Shabbat qui va le sortir de ce monde. Au contraire, c'est un Shabbat régénérateur en apesanteur de ce monde. Si quelqu'un il utilise ça pour entrer encore plus dans la matière, alors il n'a rien fait avec le Shabbat. Hachem nous a fait cadeau ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, la tshuva d'Akadosh Baruch Hu, c'est la 50e porte. Maintenant, comme on a vu dans la paracha, on voit la paracha de Béar, la paracha de cette semaine, on voit que les Maaseh, Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous allez avoir un esclave juif qui s'est vendu parce que la vie l'a amené à se vendre, parce que justement il a fait des bêtises dans sa vie. Et ça fait qu'il a pas reçu la Parnassa comme il devait la recevoir. Il est arrivé à une faillite, donc il s'est vendu comme esclave. Maintenant qu'il s'est vendu comme esclave, Akadosh Baruch Hu nous met en garde, dit attention, ça c'est mon enfant. Donc tu fais attention à comment tu te comportes avec lui. Parce que tu ne peux pas travailler l'otavoditobefarer. Tu dois faire attention, tu ne peux pas lui faire faire des travaux avilissants, etc. Parce que ça reste mon fils. Et lui, c'est avant d'être ton esclave à toi, il est mon esclave à moi. Parce que moi, quand je l'ai sorti d'Égypte, moi j'ai déjà un contrat avec lui qu'il est mon esclave à moi. Maintenant, la vie, elle a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu et il s'est vendu comme esclave. Maintenant, comment c'est possible de vivre ces deux propriétés-là en même temps? Alors maintenant retourne-toi vers Akadosh Baruch Hu. Tu dis, regarde, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu es en train de dire à ce juif-là qui m'a acheté, à moi en tant qu'esclave, qui doit me ménager, qui doit faire attention à moi. Et tu lui dis que toi, tu m'as acheté avant lui. Alors pourquoi tu me laisses chez lui? Prends-moi à ton service. Si je suis ton serviteur, alors prends-moi à ton service. C'est pourquoi tu me laisses chez lui? Pourquoi tu me laisses dans le monde? Pourquoi le monde il déteste les juifs? Pourquoi les gens ils sont contre les juifs? Pourquoi il y a toujours des histoires avec les juifs? Et il y a tout, pourquoi le Ham Israël il souffre tellement? Si maintenant on est les esclaves d'Hachem, ok, alors d'accord, alors prends-nous comme ton peuple, montre au monde entier que tu as un peuple, c'est le Ham Israël. Et voilà, c'est ton peuple que tu as choisi. Et lui, il va diffuser ta parole dans le monde. Pourquoi maintenant tu laisses faire, tu nous laisses la possibilité de nous vendre à un autre propriétaire que toi? Puisque toi-même, tu viens, tu dis, moi, j'ai, comme il dit Rashi, shtari kodem. Mon shtar, il est avant le shtar, mon contrat de vente, il est avant. Voilà, moi, j'ai déjà... C'est comme quelqu'un, il vend une maison, l'autre il vient et dit, attends, mais j'ai déjà acheté moi cette maison. Regarde, elle est enregistrée à mon nom et tout. Je ne peux pas l'acheter une deuxième fois, ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces deux possibilités de vivre? C'est ça, c'est la diminution de la lune. Le fait qu'il y ait la diminution de la lune, l'homme il peut descendre, comme s'il appartenait à la matière. Alors que ce n'est pas vrai, il n'appartient pas du tout à la matière. Il appartient à Hachem, il n'appartient pas à la matière de ce monde. Et il a aucun droit, et il n'a aucune raison d'être un esclave. Maintenant, comment il est arrivé à être vendu comme un esclave? Elle te dit la Torah, on a vu, la Torah te dit, Beferouj, Rachid te dit, tu sais pourquoi tu t'es vendu comme esclave? Je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, tu as commencé, tu n'as pas fait la Shemitah. Tu n'as pas gardé la Shemitah, tu as commencé à Hachem, tu as fait vendre tes meubles déjà. C'est-à-dire tout ce que tu avais comme bien immobilier, tu les as vendus. Tu as continué à ne pas faire la Shemitah, tu as vendu tes terrains. Tu as continué à ne pas faire la Shemitah, tu t'es vendu toi-même. Tu as vendu ta maison après. Troisième étape, tu as vendu ta maison. Tu as continué à ne pas faire la Shemitah, pas garder la septième année de repos de la terre. Tu t'es vendu toi-même. Pourquoi tu es arrivé là? Parce que tu n'as pas gardé la Shemitah. C'est quoi garder la Shemitah? C'est Shabbat, c'est-à-dire tu ne sors pas, tu ne fais pas Shabbat. C'est pour ça qu'il t'arrive tout ça. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, sache que c'est parce que tu ne gardes pas le Shabbat, c'est tout.
Et quand tu crois que tu gardes le Shabbat, ben regarde bien, tu vas voir que tu ne gardes pas le Shabbat. Et même si tu connais bien la halakha, tu gardes le Shabbat, alors ton Shabbat, il n'est pas assez fort. C'est-à-dire que tu ne t'investis pas assez dans le Shabbat. Les doses que tu prends, elles ne sont pas assez fortes pour lutter contre le virus que tu as. Les antibiotiques que tu prends, elles ne sont pas assez fortes. Il faut que tu prennes des doses plus grandes. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'investisses plus dans le Shabbat. Investis-toi plus dans cette énergie contraire à ce monde. Et après, tu verras que dans la semaine, tu n'as rien à faire du tout. Parce que du moment où tu as produit une force d'attraction extraterrestre plus forte que l'attraction terrestre, c'est fini. Tu n'as rien à faire dans la semaine. Alors les gens, ils croient que quelqu'un qui vit, qui fait tchouva comme ça, ils disent, ouais, mais c'est facile, hein. Ouais, tout c'est le tzadik, ouais, tu vas au Mana Roshana, et tu fais Tikkun HaKlali, l'Aïd Bodedout, et tu t'appuies sur Rabbi Nachman qui va te sortir du Gehinam et tout. Ouais, mais tout ça, c'est facile, tout ça. Va bosser, truc, faire tchouva toi-même, et truc, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Celui qui s'investit dans le Shabbat, c'est pas un homme qui travaille moins, mais c'est un homme qui a. C'est un homme qu'Hachem lui a donné, le Mevin Davar Mitor Davar, qu'il a compris qu'il valait mieux s'associer avec un milliardaire que s'associer avec un pauvre type, avec chacun on a 100 euros, avec chacun 100 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter des cacahuètes, on va les vendre. De là, ce qu'on arrive à faire fortune, ça va prendre du temps si on y arrive un jour. Mais si je m'associe avec un milliardaire, même si j'ai 100 euros, je deviens milliardaire tout de suite. Tout de suite, je deviens milliardaire. Je suis associé à un milliardaire tout de suite. J'ai son chauffeur qui vient me chercher. J'ai des trucs, ça y est. Je suis un milliardaire. Maintenant, j'ai mis quoi? J'ai mis 100 euros. Mais où je les ai mis? Je les ai mis dans quelqu'un qui est milliardaire. C'est-à-dire que du moment où je me suis investi dans le Shabbat, alors à ce moment-là, j'ai gagné. Mais l'investissement dans le Shabbat, la plupart des gens, ils ne s'investissent pas dans le Shabbat. La plupart des gens, ils font la planche le Shabbat. C'est-à-dire qu'ils se laissent aller dans le Shabbat. Ils ne travaillent pas. Ils ne font pas des efforts le Shabbat. Baruch Hashem, ici, il y a des gens qui font des efforts, vient le Shabbat, dans mes nerfs, ici, pour le Masiot, Ashrechem, de faire ces efforts-là. Si vous voyez qu'est-ce que vous faisiez, vous feriez le double. Vous serez en train de regretter que vous n'habitez pas deux fois plus loin pour marcher plus, parce que chaque pas dans le Shabbat pour aller vers la Torah, vers la Kedusha, c'est un kohar qui extraordinaire, qui fait que, après, dans la semaine, ta semaine, elle est plus facile, elle est plus légère, tout est plus facile, tout est plus léger. Pourquoi? Parce que c'est simple, tu as deux pôles d'attraction, tu n'as pas le choix. Le seul choix que tu as dans ce monde, c'est vers quoi tu vas te laisser attirer, c'est tout. Ou tu te laisses tomber et tu te laisses attirer par ce monde, ou tu choisis un pôle d'attraction extraterrestre et tu vas être aspiré vers le haut. C'est la seule possibilité qu'il y a. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu dit « je fais tchouva », c'est-à-dire Hachem, il enlève, il fait tchouva sur le fait qu'il a diminué la lune, c'est-à-dire l'évidence de la vérité dans la matière. Et quand Hachem, il fait tchouva, alors automatiquement, tu vas faire tchouva. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la 50e porte, le fait qu'on se trouve dans le Shahr Hanoun, qu'on se trouve dans la 50e porte, en même temps la 50e porte de la Touma, et en même temps la 50e porte de la Kedusha, c'est que aujourd'hui, la 50e porte de la Touma, c'est plus comme les autres portes de la Touma. Parce que la 50e porte de la Touma, elle n'est que imaginaire. Parce qu'il n'y a plus rien. Quand tu rentres dans la 50e porte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'attraction. L'attraction terrestre, elle n'existe plus. C'est juste l'imagination de l'attraction terrestre. Mais l'attraction elle-même, elle n'y est plus. Quelque chose qui te tire vers le bas, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est uniquement ton imagination qui te tire vers le bas. Mais il n'y a pas une force qui te tire vers le bas. Ça, c'est les 49 portes. Dans les 49, il y a quelque chose qui tire vers le bas. C'est les midot à l'envers, comme maintenant, on compte Tiferet Shebenetzar. Alors, tu prends Tiferet Shebenetzar à l'envers dans la klipa, alors c'est un kohar inversé de Tiferet Shebenetzar. C'est-à-dire la sphira Tiferet Benetzar dans la Kedusha. Et tu as le contraire dans la klipa. Alors, c'est une lutte entre les deux. Mais quand tu rentres dans la 50e porte, ça s'appelle la tshuva d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça s'appelle la tshuva d'Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est Hachem qui va faire tshuva pour toi. Comme Rabbi Nachman, il a dit, ne vous cassez pas la tête à faire tshuva, d'abord parce que vous ne pouvez pas faire tshuva. Moi, je vais faire tshuva sur vous. Vous, rincapiez-vous sur moi. Et alors, des gens, ça les énerve terriblement quand ils entendent des choses comme ça.
Il y a des gens, tous leurs trucs, c'est waouh, j'ai fait, j'ai truc, moi, les Sahara, je l'ai cassé, j'ai fait, j'ai truc, j'ai truc. Quand ils entendent des trucs comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont des. Ça y est, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire de t'investir dans le Shabbat, c'est une épreuve encore beaucoup plus grande que de monter sur le ring dans la semaine. C'est une épreuve. La plupart, regarde que la plupart des gens, tu leur donneras le choix entre monter sur le ring et s'investir dans Shabbat, ils vont choisir de monter sur le ring. Et Madame Arishon, c'est ce qu'il a choisi. La plupart des gens, c'est ça qu'ils choisissent. Parce qu'une fois que le gars, il a gagné le combat, tu vas voir son nom, il va s'afficher. On va venir, on va lui lever le bras, champion du monde, truc, des poids moyens, et truc, inscrit dans le livre des trucs, etc. Mais celui qui s'est investi dans Shabbat, jamais il va voir son nom nulle part, parce que c'est pas lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait. Il a agi en s'incluant dans une force plus élevée que lui. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Celui qui s'est associé avec le milliardaire, il dit, je peux pas te mettre dans la société. Toi, tu as mis 100 euros, moi j'ai mis des milliards. Je peux pas te mettre comme partenaire. Il dit, non, moi, ça, j'ai pas besoin. Moi, que je sois avec toi, c'est tout, ça me suffit. J'ai pas... Le gars, il est milliardaire, il a tout ce qu'il veut. Mais seulement, il n'est pas propriétaire de la boîte, c'est tout ce qui change. Mais il est dedans. Maintenant, quelqu'un qui s'investit dans Shabbat, il est dedans complètement. Mamache, complètement dedans. Mais seulement, c'est pas lui, c'est tout. C'est le seul hic qu'il y a. Et les gens, ils sont capables de monter sur un ring et de prendre des coups et de se faire casser l'arcade sourcilière et de se faire casser le nez et tout, uniquement dans l'espoir qu'un jour il aura son nom, que c'est lui qui va triompher. Alors que la tshuva de Shabbat, c'est une tshuva passive. C'est-à-dire passive, pas passive dans le travail. Comme elle dit Anaël, que je vous ai dit plusieurs fois, le Shabbat c'est un jour de travail immense en Dieu. C'est-à-dire c'est un jour où vraiment il faut être en forme pour attaquer la Avodat Hashem. Parce que chaque minute du Shabbat, elle vaut son pesant d'or. Et d'ailleurs, même l'étude du Shabbat, c'est écrit dans les Sfarim. Si tu dis une heure Shabbat, c'est comme si tu dis je ne sais pas combien d'heures dans la semaine. Il y a un calcul combien d'heures. Ça correspond combien d'heures dans la semaine. Parce que le Shabbat, c'est un rapport de rentabilité spirituelle qui n'a rien à voir avec la semaine. Parce que la semaine, toute la spiritualité que tu fais dans la semaine, il y a toujours la pesanteur dedans. La pesanteur, elle est toujours là, présente et pesante, et elle tire vers le bas. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush, une tachiv mi Shabbat raglecha. C'est-à-dire, tu rapportes tes pieds vers le Shabbat. Rabbeinu dit que toutes les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles n'ont pas de shlemout. Elles n'ont pas de perfection. Une mitzvah parfaite, c'est une mitzvah qui est faite le Shabbat. Et le Shabbat, tu ramènes toutes les mitzvot que tu as fait dans la semaine et tu les fais monter. Parce que les mitzvot que tu fais dans la semaine, elles sont mélangées avec de la pesanteur, elles sont mélangées avec de la matière. C'est pas des mitzvot qui sont détachées des intérêts de ce monde. Donc elles sont toujours bancales. Maintenant le Shabbat, tu fais une tachiv mi Shabbat raglecha, c'est-à-dire tous tes pieds, c'est-à-dire là où tu avais les pieds dans la boue dans la semaine, tu vas nettoyer tes pieds, tu vas faire rentrer toutes les choses que tu as faites dans la semaine, tu vas les nettoyer, tu vas les élever dans le Shabbat. Ça, c'est le but du Shabbat. Donc, il faut s'investir dans le Shabbat. Il faut s'investir le plus possible. C'est ça qui s'appelle faire tshuva. Shabbat, c'est Veshavta, Adashem Elokecha. Pourquoi on parle toujours de retour? Parce que c'est un retour. C'est-à-dire inverser le pôle d'attraction. C'est ça, faire tshuva. Faire tshuva, c'est inverser le pôle d'attraction. Le Rambam, il te dit plus. Il chod deot, alacha gimel, ou alacha dalet. Il te dit le Rambam. Un homme, il est le produit de l'endroit où il va vivre. Tu dis plus que ça. Il dit, t'as rien à faire. Choisis juste l'endroit où tu vas vivre, c'est tout. Et tu vas devenir ça, c'est tout. T'as rien à faire. Choisis où tu veux vivre, où tu vas. Choisis ce que tu veux être. Et décide dans ta tête ce que tu veux être. Choisis le quartier qui correspond, les individus qui correspondent à ça. Et là-bas, comme on dit, coince ta bulle là-bas, c'est tout. T'as rien à faire du tout. Tu vas voir que tu vas devenir comme eux. Donc, où il est le choix? Le choix, il est là, le choix. Le choix, il est uniquement de choisir le pôle d'attraction. C'est là où il est le choix. Il n'y a pas d'autre choix. Quel choix tu vas faire? Tu vas réinventer le monde? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Tu peux pas, tu n'as rien à choisir. Tu choisis le pôle d'attraction. Tu choisis un pôle d'attraction vers le haut, vers le bas.
Maintenant, si tu es quelqu'un de fort et quelqu'un d'influençable et quelqu'un qui va aller lui-même faire lutter dans le pôle d'attraction vers le bas, essayer les gens, aider les gens à s'en sortir, etc. Alors ça veut dire que tu es un homme très fort. Toi-même, tu as un principe de Shabbat en toi et tu vas le faire rentrer dans la semaine chez des gens qui sont éloignés, etc. Ashrecha, si tu es capable de faire ça. Mais il ne faut pas que tu te trompes parce que la vie, elle ne pardonne pas. Quelqu'un qui se trompe dans ses choix-là, ça ne pardonne pas. Quand il a démoulé le gâteau, c'est fini. Il ne peut pas refaire de la farine après, c'est fini. Il peut faire après de la friture ou ce qu'il veut, mais de la farine, il ne pourra plus faire. Parce que ça y est, une fois qu'il a démoulé le gâteau, il a démoulé le gâteau. C'est-à-dire, tout le principe, c'est de choisir les pôles d'attraction. Ça, le principe shabbatique. Et ça c'est de savoir, rien que de savoir ça, rien que de parler de ça, de savoir ça, vous ne savez pas quelle chance que c'est de savoir ça dans le monde. Quelqu'un qui sait ça, quelqu'un qui a compris ça, qu'il faut fréquenter des tzadikim, qu'il faut vivre en Eretz Israël, qu'il faut s'investir dans le Shabbat. De savoir ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce qu'après, tu vas investir tous tes efforts dans le lien avec la force extraterrestre. C'est sur ça que tu vas t'investir. Et ça, automatiquement, ça va te sortir de toute la mélasse de ce monde. C'est tout. Tant que tu vois que ce monde il t'attire, ça veut dire que la force terrestre, elle est plus forte chez toi que la force extraterrestre. C'est tout. Donc, va vers l'extraterrestre. Va vers Shabbat. Va vers le tzaddik. Va vers Eretz Israël et investis-toi là-dedans. Et tu vas voir que tu vas grandir sans faire d'effort. Apparemment, c'est un autre effort. C'est pas le même effort. Mais c'est un effort aussi. Parce que de s'attacher au tzaddikim, de vivre en Eretz Israël, de faire Shabbat, c'est pas facile du tout. Mais seulement, ça se voit pas. Parce que quand tu vois quelqu'un manger Shabbat et tout, tu as l'impression qu'il ne fait rien. Mais tu ne l'as pas vu, Erev Shabbat, qu'il a fait, ce bonhomme-là. Erev Shabbat, il a couru 10 fois plus que quelqu'un dans la semaine. Parce qu'il a fait de son vendredi, il a poussé le vendredi pour préparer Shabbat, les commissions, les trucs, etc. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, et la plaque, et l'eau chaude, et nettoyer la maison, et les vêtements propres, etc. Tous ces efforts qu'il a fait là. Tu les vois pas quand tu rentres dans Shabbat. Tu vois une table mise, du manger, trucs et tout. Tu dis d'où ça vient ça? Mais Michelotara ber Shabbat. Lo yochal be Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger? Shabbat, il ne s'est pas fabriqué le fabriquer le vendredi. Sache que aussi de s'attacher au pôle d'attraction extraterrestre, ça demande aussi énormément d'efforts aussi. Mais l'effort principal, c'est l'effort sur le bitoul de l'ego. C'est ça qui est le plus dur. Il y a des gens qui ont de manière naturelle un bitoul de l'ego. Ils se laissent aller. Ils sont sujets à aucune forme d'attraction de chez GTM amassé. Ces gens-là qui vont se retrouver dans cette attitude-là, sont là pourquoi? Ils ont bien un travail à faire. Ils ont un travail à faire. Le travail à faire, c'est de s'attacher, c'est de garder Shabbat. C'est un travail de garder Shabbat, non? C'est pas un travail de garder Shabbat. Non, mais de tomber dans la non-forme. Mais la non-forme en soi-même, c'est, dans ce monde-là, la non-forme, ça demande un effort. Non, mais eux, ils ont cette naturellement. Naturellement. Non, c'est celui qui a sa nature. Il y a des gens, naturellement, ils étudient 20 heures par jour. C'est tout, c'est comme ça. C'est un cadeau qui leur est venu. C'est tout. Ils sont ça. Non, après, ils étudient 20 heures par jour. C'est pas la non-forme, ça c'est vouloir prendre une forme. Non, il y a des gens que naturellement ils sont attirés vers des choses. C'est leurs midotes, elles sont déjà conçues par rapport à ça. Mais sache qu'il n'y a pas, c'est pas le Shabbat, c'est pas une force passive. Elle s'appelle passive par rapport à l'attraction terrestre, mais c'est pas passif du tout. C'est choisir l'attraction extraterrestre. C'est pas du tout passif. Ça demande un effort. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai dit cette semaine, j'ai vu un article, ils créent des week-ends pour enlever l'addiction à l'internet et au téléphone en France. Et tu payes pour ça. C'est pas gratuit. Hein. C'est-à-dire tu payes et les gens, ils t'emmènent dans un château ou un truc et ils te prennent la tête, ils t'embrouillent pendant 24 heures ou 48 heures pour te...
pour te faire oublier que tu n'as pas de téléphone et que tu ne regardes pas tes mails et que tu ne rentres pas dans Google, etc. Bon, ils te font... Aujourd'hui, les gens, ils payent ça. Donc, tu vois, cette chose-là, qu'Hachem nous a fait cadeau, il dit, j'ai une matana qui s'appelle Shabbat, normalement, il faudrait payer pour ça. Et ça coûte très très cher, le Shabbat. Si tu veux le payer, le principe du Shabbat, ça coûte très très cher. Quelqu'un m'a dit cette semaine, il m'a appelé un ami qui s'appelle Yosef, pour ne pas le nommer, et il est à Paris, il est médecin. Il m'a dit qu'il a regardé, il a vu une émission médicale sur un médecin français qui est au Népal et depuis 40 ans, et fait de la méditation. Et c'est un médecin, c'est un spécialiste dans les cellules, je sais pas, génétiques, les cellules qu'il y a dans le corps. Maintenant, aujourd'hui, ils ont prouvé scientifiquement que quelqu'un qui fait de la méditation, c'est-à-dire que lui, il fait 5 heures par jour, mais il dit que le chiour, le minimum, c'est 20 minutes. Quelqu'un, il fait 20 minutes, il a déjà ça. Il prouve scientifiquement que quelqu'un qui sort de ce monde 20 minutes, il se concentre sur d'autres choses, c'est-à-dire il sort de l'attraction de ce monde 20 minutes par jour, ils expliquent scientifiquement ce qui se passe dans la cellule. C'est-à-dire ils ont prouvé d'après ça que la personne, elle rallonge sa vie, c'est-à-dire qu'elle produit, elle régénère les cellules. Moi, je ne sais pas de vous dire dans les mots, lui m'a expliqué tout, une cellule, ça a deux parties avec dedans une espèce de truc qui amène. Il m'a expliqué tout, moi je ne comprends pas, je lui ai dit qu'il m'envoie le lien, je vous donnerai l'émission pour ceux qui sont intéressés, il me dira exactement quel passage qui est intéressant. Mais regardez quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans sa vie. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a lutté contre la pesanteur. Alors, il est là-bas, il est chez les moines là-bas, je ne sais pas un truc, et il fait 5 heures par jour de méditation, et avec ça, il a trouvé la vie, et il dit que ça a réparé complètement ses midotes, son comportement, qu'il a changé tout son comportement. D'abord, par rapport à lui-même, il a changé complètement, par rapport aux autres, il a changé complètement. Et il dit que, et il rapporte que le stress, c'est un accélérateur de destruction des cellules. C'est-à-dire, il prouve ça scientifiquement, que le stress, ça détruit les cellules. Et que lui, Shubada, quelqu'un qui fait de la méditation, c'est-à-dire qui se concentre, c'est qui fait Shabbat, qui sort. Shabbat, c'est de la méditation, c'est sortir de ce monde, de la course de ce monde. Ça régénère entièrement ses cellules. Maintenant, vous voyez que dans le monde, les gens, doucement, ils arrivent à des choses comme ça. Maintenant, ils n'ont pas trouvé encore la parole, ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est. Ça plus la parole, c'est-à-dire quand la personne elle sort du monde et en plus elle parle avec Hachem. Ce qui est intéressant, c'est que voir que eux aussi sont arrivés à un chiour de 20 minutes. Et le 20 minutes, ça s'appelle dans la Hébreu, ça s'appelle Sha'akala, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il n'a pas le temps de faire une heure, alors il fait 20 minutes, ça s'appelle une petite heure pour le chiour de salaison de la viande. Si quelqu'un il peut pas faire une heure de Sha'atatrak, alors il fait 20 minutes. Alors on dit, bon, les doutes, c'est quelqu'un, il n'a pas pu faire une heure, il fait 20 minutes. Alors maintenant, quand quelqu'un, c'est pareil, regarde, tu veux savoir, quelqu'un qui, soi-disant, il se laisse aller, dis à quelqu'un d'aller faire une heure, dites-vous des doutes. Les gens, ils te disent qu'au bout de 5 minutes, tu deviens fou, le bonhomme. Ils disent, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est, cette idée des doutes? Tu vois que la personne, elle n'arrive pas. Tu vois que c'est beaucoup plus difficile de sortir du monde et de se concentrer sur le monde futur, et de se concentrer sur un rapport avec Hachem, que de se laisser que tourner dans le monde, dans ce monde-là, en essayant de éviter les coups et de donner des coups de temps en temps. C'est beaucoup plus difficile, tu vois, de faire Shabbat. Et il y a des gens, le Shabbat, ils ne savent pas quoi faire, parce que c'est déboussolant. C'est-à-dire qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a à faire le Shabbat? Il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? Mais le fait que maintenant, le Shabbat, déjà, tu laisses tous tes jouets, c'est-à-dire tu laisses ton téléphone, tes trucs, ta façon de vivre, ton rapport avec la matière, c'est les 39 travaux, Hachem, il t'enlève. C'est-à-dire il t'enlève ton rapport avec la matière. Il te dit, tu ne fais plus de tri dans la matière, tu n'as plus de rapport avec la matière. C'est un jour où tu sors complètement du rapport avec la pesanteur. La pesanteur, elle ne va pas te tirer, pourquoi? Parce que Shabbat, c'est une apesanteur extraterrestre. Mais ça demande des efforts. Alors même si tu dis quelqu'un de nature, il est comme ça.
Nous, on cherche Khelko, ça veut dire qu'il a une neshama, il a des midotes qui sont plus vers Shabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'il... Se laisser aller, ce n'est pas faire Shabbat. Ce n'est pas se laisser aller faire Shabbat. Faire Shabbat, c'est s'investir dans l'attraction extraterrestre. Ce n'est pas ne rien faire. C'est switcher sur un autre système. Mais c'est pas... C'est comme si tu prends quelqu'un qui pédale avec un vélo, ou quelqu'un qui fait du ski nautique, qui s'accroche sur le truc là. Mais de s'accrocher à ça aussi, ça demande de faire des efforts, même si c'est pas toi qui pédale. Mais il faut que tu fasses des efforts, même si quelqu'un te tire. Mais il faut que tu t'accroches, il faut que tu fasses des efforts. Il y a un effort, lâche les mains, tu vas voir où tu te trouves, tu comprends. Donc il y a une activité permanente pour être dans le Shabbat. C'est-à-dire, si tu veux que ton Shabbat il soit productif, mais comme maintenant, on ne peut pas t'enlever le libre arbitre, le Shabbat aussi, ça peut être relax, tu comprends? C'est-à-dire que tu peux utiliser le Shabbat pour ne rien faire. Et les masses, t'es sorti de Shabbat, tu n'as rien fait. Tu n'as pas pris d'apesanteur extraterrestre, tu comprends? Tu es resté zéro, c'est tout. Tu n'as rien fait. Alors, quand tu n'as rien fait, il ne faut pas t'étonner que la semaine d'après, la parnassa elle est difficile, la Avodat Hashem elle est difficile, la tfila elle est difficile, le Shalom Bali est difficile, le Chinuch elle est difficile, la Simcha elle est, tout est difficile, c'est normal. Le jour qu'on t'a donné pour remplir le réservoir, tu n'as rien mis dedans. Tu t'es garé à la station service, tu as mis ton siège en arrière, tu as dormi. Et après tu dis, ok, c'est bon, c'est fini, ok, allez, on s'en va. Même après, tu ne t'étends pas que tu tombes en panne. Nous, on t'a dit de t'arrêter à la station pour remplir le réservoir, pas pour dormir dans la station de service. Maintenant, quelqu'un rentre dans Shabbat, il dort. Il passe son Shabbat à dormir et à manger. Mais il ne peut pas après sortir régénéré de ce Shabbat. Même comme ça, de toute façon, quelque chose, il va y avoir. C'est-à-dire quelque chose qui va avoir un petit peu de conscience qui dans la semaine, etc. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu de conscience de la vérité, un petit peu d'éléments qui vont bouger un petit peu dans sa semaine. Mais si les gens ils étaient conscients de l'intensité, de la puissance qu'il y a dans le Shabbat, les gens, ils seraient même un chômeur Shabbat. Ça veut dire que, comme il dit le Rav de Tchérine, un chômeur, il ne dort pas. C'est-à-dire les gens, au contraire, ils seraient même... Ils rentreraient dans la Avodat Hashem le Shabbat, ils feraient beaucoup plus d'efforts que tout ce qu'ils font dans la semaine. Et malheureusement, tu vois que c'est le contraire. Les gens, ils se laissent aller le Shabbat. Ils n'ont pas de... Maintenant, c'est écrit que le Talmid Chacham et tout, lui, le Shabbat, il peut mettre sur... Parce que lui, c'est quelqu'un que dans la semaine, déjà, il fait Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est l'infini. Qu'est-ce que je peux rajouter sur l'infini? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais rajouter 1 million sur l'infini, c'est vrai, ça donne une chose d'avoir 1 milliard sur l'infini. Mais il faut que tu t'accroches à l'infini. L'autobus il est passé, mais t'es pas monté dedans. Je suis dedans, comme dans le comment t'es monté dedans? T'es pas rentré dedans. Mais je comprends pas. Shabbat, ça m'est imposé. Je suis dedans. Une fois que je suis dedans, je touche pas, je fais pas les mélachot, ni à derma. C'est comme lui, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Mais tu peux faire le Shabbat, tu peux le vivre comme le dimanche. Tu peux le vivre comme un dimanche, le Shabbat. Un jour de repos, c'est tout. Tu travailles toute la semaine, tu as des activités et tout, tu es fatigué. Le Shabbat, tu te reposes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça revient au même. Non, ça revient pas au même du tout. Ce que je veux dire, c'est que toute la voda de la semaine, de préparer, d'étudier, de se forcer à tout ça, c'est ça ce qu'on appelle vivre Shabbat. Donc vous me dites le type qui monte sur le ring ou qui monte pas sur le ring, c'est le même Benana, mais sauf au Shabbat. Il arrive à Shabbat. Il a ses kinyanim, il monte sur le ring, il monte pas sur le ring, il arrive à Shabbat, ça y est. Si quelqu'un... Il sait vivre le Shabbat, s'il n'est pas monté sur le ring de la semaine, qu'est-ce qu'il peut vivre son Shabbat? Tu peux choisir de vivre Shabbat à partir de la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, tu vas te battre pour garder la conscience du Shabbat, ou tu peux choisir de vivre la semaine par rapport au Shabbat. C'est pour ça qu'il faut 2 Shabbatot pour la Géoula. On dit que si on gardait 2 Shabbatot, on aurait été nigaalim. Pourquoi un seul Shabbat, ça ne suffit pas? Parce qu'il faut que tu vives une semaine qui soit le résultat d'avoir gardé un Shabbat. Et à ce moment-là, tu verras l'autre Shabbat comment il va être après. C'est-à-dire quand tu vis une semaine qui a reçu l'influence d'un Shabbat qui a été fait comme il faut, tu vas voir que ta semaine, c'est une autre semaine. C'est lequel le premier? C'est lequel le premier? C'est les masses, c'est au milieu, mais c'est-à-dire c'est difficile de savoir qui c'est le premier, tu sais. Mais dans les deux, il faut travailler. Mais le Shabbat, il est beaucoup plus rentable que la semaine.
de s'investir dans le Shabbat, c'est-à-dire de travailler le Shabbat, de faire ce que Rabbi nous dit, de faire tous les Zmirot de Shabbat. Ça prend trois quarts d'heure le vendredi soir, ça prend une demi-heure Shabbat midi, ça c'est minimum. Mais si le vendredi soir tu fais un peu Rabbi Shimon Bar Yochai et Kolecha et truc et tout, tu peux faire une heure et quart des Zmirot. Tu t'investis, tu travailles, tu te lèves tôt, tu travailles mamash le Shabbat dans Avodat Hashem, mais tu travailles. Mais tu, ça, c'est, ça, ça va te faciliter ta semaine, elle va être beaucoup plus facile après. Tu as avancé énormément. On te donne maintenant des éléments de rentabilité qui sont décuplés, qui sont des, mille fois plus forts. Pourquoi ne pas s'investir là-dedans, tu vois? Pourquoi la personne, elle lâche? Pourquoi quand elle rentre dans le Shabbat, elle lâche? Alors les gens ils veulent se construire des biceps. Ils disent non, moi quoi, l'attachement au tzaddik. Qu'est-ce que veut dire l'attachement au tzaddik? Mais c'est ce qu'il a dit Korach. Il a dit, mais c'est tous des tzadikim, là, les bnis Israël. Pourquoi tu vas en faire des handicapés, toi? Toi, tu veux faire des... Toi, tu viens, mon cher Abenou, tu veux faire des bnis Israël, des handicapés. Mais c'est tous des tzadikim. Ils ont tous entendu la Torah. Allez au boulot, montez sur le ring et battez-vous, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de... Korach, il était contre ça. Parce que Korach, c'est un Lévi. Et comme le Lévi, c'est un homme qui travaille, c'est-à-dire le Lévi, il est dans la rigueur. Il est dans le travail de ce monde. Pour lui, c'est difficile de concevoir le principe du Kohen, qui est un principe qu'apparemment, ça a l'air d'un principe de laisser aller par rapport au Lévi. C'est-à-dire le Kohen, ça a l'air quelque chose de beaucoup plus cool que le Lévi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il est au Beth Amikdash et il s'occupe des connexions, c'est tout. Mais c'est pas un travailleur comme le Lévi. Le Lévi travaille beaucoup plus que le Kohen. Alors, Korach, lui, quand il est rentré dans le côté Lévi, sans s'attacher à Moshe Rabbeinu, quand il s'est déconnecté un petit peu de Moshe Rabbeinu, il est parti complètement... Lévi s'est pris natrol par rapport au Kohen. C'est-à-dire, le Lévi, il ne peut vraiment pas vivre sans le Kohen. Le Ham Israël aussi, il ne peut pas vivre sans le Kohen. Mais le Lévi, il a un besoin de fonctionnement. C'est-à-dire que lui, c'est le contraire du Kohen dans le fonctionnement. Le Lévi, c'est que de l'application. Le Lévi, il est lunaire, il est féminin, le Lévi. Donc, il a absolument besoin du Kohen, sinon il se perd complètement. Sinon quoi ? Ils n'ont pas le droit. C'est vrai. S'il n'y a pas de Kohen, on ne peut pas faire monter le Lévi. Mais Israël, il peut monter. Pas de problème. C'est vrai. Tu vois que le Lévi, il est entièrement dépendant du Kohen. Parce que ces midot, les midot qu'il a, c'est une sakana pour lui. Bien que le Lévi, il est très fort. Tu vois, Mitzrayim, il ne rentre pas dans le chien-boud ni rien. Le Lévi, c'est quelqu'un de très fort. Lui, dans la semaine, il cogne le Lévi, il n'a pas de problème. Il monte sur le ring et il tape, il n'a pas un problème avec ça. Parce que c'est sa nature. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a le Shabbat. Parce que s'il oublie qu'il y a le Shabbat, il part dans la picorceau de Gmoura. Mamash dans la picorceaute, il s'en va dans la... S'il déconnecte la rigueur, c'est-à-dire la force féminine, la force d'application, s'il a décollecte de Chassadim, c'est terminé, il s'en va complètement. Mais là où, c'est-à-dire le ridouche, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut arrêter de voir le Shabbat comme un jour pour les fainéants. Il faut arrêter de voir le Shabbat comme ça, parce que c'est pas vrai. C'est très difficile de garder Shabbat comme il faut. De s'investir dans Shabbat, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est tout cet investissement, il est passif par rapport au Shabbat. Il ne s'appelle pas actif. Parce que c'est inversé. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous déterminez l'autre, celui qui s'investit. Vous avez donné deux personnages. C'est celui qui monte sur le ring et celui qui s'installe. Là, j'ai un problème à comprendre comment je vois. Là, c'est un travail. Là, les Chora, c'est pas un travail. Alors, comment vous faites la séparation? Je te dis, c'est... J'ai l'impression que c'est un noir. C'est la même personne. C'est pas la même personne. Alors, qu'est-ce qu'il montre? Il montre pas quoi faire pour travailler son Shabbat. Non. Il n'est pas là-bas pour avoir sa médaille. Oui, mais si tu veux, la lutte, elle est beaucoup plus... C'est action. Pourquoi? Parce que tu es dans la force de la pesanteur vers la terre. Donc maintenant, le fait que tu luttes contre cette chose-là, ça te donne l'impression que tu fais quelque chose, parce que tu luttes. Rabbeinu dit qu'il y a un Yetzer Hara des choses difficiles, et il y a un Yetzer Hara des choses faciles.
C'est-à-dire que maintenant, il y a Yetzer. Par exemple, il y a un, tu vois dans les quand tu achètes quelque chose, tu vois par exemple 3 shampoings. Tu vois le prix des 3 shampoings. En général, tu vas pas prendre le moins cher. Ou tu prends le plus cher, ou tu prends le moyen. Parce que pour toi, le moins cher, c'est sûr qu'il n'est pas bien. Alors que ce n'est pas vrai. Mais disons, c'est comme ça la logique de l'homme. S'il fait quelque chose, il a l'impression que ça sert à quelque chose, ce qu'il est en train de faire. Mais s'il ne fait rien, alors il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire que ça va marcher. Alors maintenant, quand la personne, tu lui dis de faire quelque chose de facile, tu lui dis, quelqu'un fait un tikkun haklali, parle 1 heure avec Hachem. Il dit, comment de parler 1 heure avec Hachem? Comment ça, ça va réparer tout, etc. Comment ça marche, cette chose-là? Mais je te dis, de faire 1 heure d'Itbodedou, tu vas voir que c'est plus difficile que d'étudier 8 heures par jour. De faire 1 heure d'Itbodedou, c'est très difficile, parce que tu sors de l'attraction terrestre pour aller vers une attraction qui est extraterrestre. Mais comme c'est passif au point de vue 39 travaux. L'ordre du monde. Voilà, l'ordre des 39 travaux de ce monde. Comme c'est passif, alors on va te dire, mais t'es un parasite. Comme les gens disent, mais les religieux, c'est des parasites. Qu'est-ce que c'est que ces religieux, des parasites? Le bonhomme, il se lève à 1 heure du matin. Il va au mikvé, il fait tikkun chatzot, il fait ibrodedout, il étudie. Après, il va, il s'occupe de ses gosses, il étudie toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un parasite? Qu'est-ce que c'est le parasite ici? C'est quoi le parasite? Par rapport à celui qui fait Shabbat, c'est un parasite parce qu'il ne travaille pas le Shabbat. C'est un parasite. Comme il y a un ancien président qui a dit aujourd'hui que les week-ends de 8 mai et tout en France, il fallait annuler ça parce qu'il dit qu'il y a un pays qui est en sous-production et tout. Qu'est-ce qu'on donne des week-ends de 3 jours? Les gens, ils n'ont rien à faire, il faut leur ajouter encore des jours. Il a dit qu'il faut travailler le 8 mai. Là, au moment, c'est des jours où il faut que les gens y travaillent, ils produisent, etc. Tu vois bien que dans le monde, c'est comme ça. On dit quoi voilà, en Italie, ils ont réglé ça. Tous les jours fériés, c'est le dimanche. Toutes les fêtes nationales, ils les font tomber le dimanche. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne travaille pas les jours fériés. Puis, personne ne travaille, de toute façon, c'est dimanche. Donc, ils ont mis tous les jours fériés, fêtes nationales. 14 juillet, même si c'est le 18, ils font tomber le dimanche. Il n'y a pas de truc. Tout, c'est le dimanche. Comme ça, les gens, ils ne peuvent pas arrêter de travailler. Mais toutes les semaines, ils travaillent toute l'année, c'est tout. Il n'y a pas de fête nationale qui tombe un autre jour. Maintenant, si tu veux, psychologiquement, par rapport à ce monde, c'est un jour qui est dans une action, mais c'est une action qui est le contraire. Quand tu vas dire à quelqu'un, il fait 5 heures de méditation, il va te dire, mais qu'est-ce qu'il fait pour 5 heures de... Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 5 heures-là? Il ne fait rien du tout. C'est sûr, par rapport à la pesanteur de ce monde, il ne fait rien. Mais justement, ce qu'il est en train de faire, c'est de sortir de la pesanteur de ce monde. Ce n'est pas contre la pesanteur, j'entends ce que vous... Si vous voulez dire sur un ring, ce n'est pas contre la pesanteur. Mais tu ne peux pas, c'est une styra. C'est-à-dire, si tu montes sur le ring, c'est une méthode d'apesanteur, c'est une méthode des 39 travaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chlevout dans la Avodat Hashem de la semaine. Parce que n'importe comment que tu prennes ta Avodat Hashem, elle est toujours dans les 39 travaux. Tandis que Shabbat, non seulement... La Avodat Hashem, elle n'est pas dans les 39 travaux, mais en plus, tu vas récupérer toutes les choses qui ont été faites à moitié dans la semaine, parce que tu ne pouvais pas arriver à une perfection, puisque la pesanteur, quelque part, tu t'es cogné quelque part, tu ne peux pas sortir naquis, c'est-à-dire tu ne peux pas sortir propre et obligé que quelque part il y ait eu un problème. Alors ce problème, en plus, le Shabbat, il te répare cette chose-là. C'est-à-dire le Shabbat, il va chercher tout ce qui est shabbatique dans la semaine, et il le répare en plus de ces moumim, c'est-à-dire de toutes les moumes, toutes les difficultés qu'il a pu avoir. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la Shemitah, tu vois, quand la Torah te dit « tu ne gardes pas la première Shemitah », alors voilà ce qui t'arrive. Tu gardes pas la première Shemitah, tu vas arriver à ça. Tu gardes pas la deuxième Shemitah, tu vas vendre ton terrain. Tu gardes pas la troisième, tu vas vendre ta maison. Après, tu vas te vendre toi-même. Tout ça parce que tu n'as pas fait la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Pendant 1 an, tu arrêtes. C'est tout. Tu arrêtes. Tu as 6 jours et 6 années, la 7e, tu arrêtes. C'est tout. Il faut arrêter. Tu laisses la terre, tu laisses tout. Et tu viens. C'est pas que la 7e année tu n'as pas le droit de manger des produits de la terre et tout. Tu as le droit, mais seulement c'est mina efker.
C'est plus quelque chose que... T'as pas de droit sur ça. C'est ça la différence. C'est-à-dire le gars, le propriétaire du champ, il vient dans son propre champ et il prend comme n'importe qui vient prendre. Et il n'a pas le droit de stocker. Il a le droit de garder chez lui du stock tant que dans le champ, les gens, ils ont de quoi prendre. Si maintenant, dans le champ, il n'y a plus rien et que lui, il a du stock, il faut qu'il le sorte tout de suite et qu'il le mette dehors parce qu'il n'a pas le droit. Tu vois, pourquoi on lui fait ça? Pourquoi on lui fait ça? C'est le balabaï du... C'est le balabaï, mais tu vois que tout le principe de la Shemitah, et encore plus le principe du Yovel, du cinquantenaire, c'est d'enlever complètement la propriété, la sensation de propriété à l'individu. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça. Mais avant, le Yovel, quand il venait, aujourd'hui, s'il y avait ça, les gens se suicideraient. Les gens se suicideraient. Tu aurais des gens, plein de gens qui se suicideraient parce que le gars, toute propriété, quand il vient le lover, elle retourne à son propriétaire initial dans le chevet d'où c'était. C'est-à-dire tout le business, c'est un business temporel pendant le temps qui n'est pas le yovel. Il vient le yovel, ça devient un rosato, elle retourne à la personne qui le tribu à qui elle appartenait, ce lopin de terre, etc. Mais ça, imagine-toi quelqu'un il vit comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça détruit complètement le truc de posséder quelque chose dans ce monde. Mais c'est une liberté extraordinaire. C'est-à-dire que ça te déconnecte de la pesanteur, mais de façon extraordinaire. Les Américains, comment ils appellent l'immobilier? Real estate. C'est-à-dire que c'est, si tu veux, c'est la vraie existence, la vraie, si tu veux, un type qui tient debout, c'est un propriétaire immobilier. Imagine-toi, tu dis au propriétaire immobilier, tu lui dis, c'est très beau les affaires, c'est très beau ce que tu as fait. Combien? Tu mets le compteur, combien il reste? 12 ans. Dans 12 ans, ça part. Il dit, mais alors où le gars, il fait rien? Il dit, ah bon, c'est pour truc, je fais rien, c'est tout. Okay, je vais mettre moi, m'investir à faire des trucs et tout. Et après, ça retourne au propriétaire. Après, mais à quoi ça sert? Si tu veux, voilà, tu fais. Mais ça va retourner à son propriétaire. Mais tu vois que cette mentalité-là, ça développe dans l'individu une non-appartenance à, si tu veux, de la matière qui libère énormément. Imagine-toi que les khatrila, tu sais que rien ne t'appartient. C'est-à-dire, mais c'est une force de loi, c'est pas quelque chose. Quelqu'un ne peut pas dire, ah non, j'ai pas envie. Il n'y a pas de pas envie. Le Beit Din, il te sort. Il y a pas, tu ne peux pas. Le tribunal, il vient, il te sort. Il y a pas des... C'est comme le système au départ. On faisait du troc. Parce qu'il y avait un... Toi, tu as des tomates, moi j'ai un concombre, on s'échange. Ouais. Après, ils ont rentré la monnaie. Là, ils ont donné des possibilités beaucoup plus larges sur les choses. Mais c'est la tava, c'est la tava de la... La tavat mamon, elle est née à partir de ça. Le troc, il y avait beaucoup moins tavat mamon dans le troc que dans la monnaie. Mais tu vois que la Torah, si on pouvait vivre la Torah, c'est-à-dire comme il faut, tout, ce serait beaucoup plus facile notre vie. C'est-à-dire on aurait des concepts beaucoup plus nettoyés. Tandis que là, aujourd'hui, on a des choses pesantes. La propriété, c'est la propriété, c'est que ça donne à la personne l'imagination de la nitsriout, c'est-à-dire le bonhomme, parce qu'il est propriétaire, il croit qu'il va rester ici. Lui, il fait au moins 1000 ans. Ça, c'est au moins 1000 ans. Des fois, je vois des trucs, il dit on a trouvé un vieux saut, je ne sais pas quoi, qui a 3 millions d'années. Il dit, vas-y, pour toute façon, c'est gratuit pour toi. Vas-y, mets des millions d'années, mets ce que tu veux. Alors que le monde, il a 5770 ans, c'est tout. Il n'en a pas plus. Il a 1774, il n'a pas plus. Il n'a pas une seconde de plus. Alors qu'il dit, quand ils ont trouvé un fossile, je ne sais pas quoi, qui a 4 millions d'années, c'est normal, c'est gratuit, paye par. Vas-y, ajoute des millions, des milliards d'années, même si tu veux. Et le monde, il ne t'appartient pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais voilà. Vas-y, ajoute ce que tu veux. Quand l'homme, il est propriétaire, il a l'impression que sa propriété, c'est son existence. Et que voilà, tant qu'il est propriétaire, alors il va exister. Mais quand le gars, tu lui dis, tu achètes, mais sache, quand il vient le cinquantenaire, c'est fini, tu dégages. C'est une autre forme de vie. C'est une autre forme de vie. Et tu vois que la pauvreté, la Torah, elle te dit, la pauvreté, elle vient du fait que tu ne fais pas Shabbat. Tu ne sors pas de la matière, c'est pour ça que tu es pauvre. C'est tout, il n'y a aucune autre raison. Et Hachem, il te donne la bracha, Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin.
et large, très large. Hachem, il te donne large, mamash très large. Mais la personne, elle veut s'accrocher. Il dit, voilà, je te donne la bracha. Je te donne la bracha, je te donne la sixième année, je te donne la bracha pour que la septième année, tu sois tranquille, tu vas voir. Mais le bonhomme, il a besoin action, action. Comment je vais laisser mon champ pendant un an comme ça, sans rien faire et tout? Je ne peux pas. Et quoi, moi, je vais être comme un mendiant comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai besoin des tomates, je vais les prendre dans mon truc. Et moi, je n'ai pas le droit de stocker comme je faisais avant, quand j'ai l'habitude. Ça casse la personne dans son ego. Tu vois que tout le yin, il est fait pour ça, pour enlever... Parce que l'ego, c'est l'appartenance à la matière, c'est tout. Hachem, il veut t'enlever ça. Celui qui est, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot tellement extraordinaires pour arriver à nous détacher de ces maladies incurables, de la sensation d'existence à travers la propriété. C'est des choses terribles. C'est des maladies terribles. Alors que si tout de suite, dès que tu sais que tu ne vas pas être propriétaire tout le temps, tu vas chercher une autre énergie que ça. Kinyan et Torah. Hein? Tout le mousseline de Kinyan, il a quand même une force importante, même dans le Rukhni, il a une force importante. On vient ici pour faire des Kinyanim. Même si la Torah est Mitna Bematana, à Daïn, on est là pour faire des Kinyanim. Non, mais ce n'est pas des Kinyanim de ce monde, c'est des Kinyanim extraterrestres. Ce n'est pas des kinyanim de ce monde. Alvaï que les gens ils soient motivés par les kinyanim, les acquisitions extraterrestres. Alvaï. C'est la force elle-même d'acquisition, elle n'est pas pour aller dans un sens, elle est pour aller dans un sens qui est dans le sens d'apesanteur. Oui, du contraire, c'est pour ça qu'on t'a donné l'acquisition. On te dit, regarde, il y a un monde futur et un monde éternel. Et c'est là-bas qu'il faut que tu acquises. Et acquérir, c'est pas ici. Ils n'investissent pas ici, puisque de toute façon, c'est un monde c'est une faillite garantie. Hachem lui-même, il te dit, ce monde, il va faire faillite. Le Créateur, il te dit, je vais le mettre en faillite, le monde. Donc, il ne t'investit pas. Mais lui-même, il te dit qu'il arrivera un jour, il va mettre tout en faillite. Alors, c'est pas là qu'il faut investir. Investis dans un autre monde. Mais, je répète, la Nekouda sur laquelle je veux appuyer, c'est que les gens, toujours, ils ont l'air de présenter les gens qui s'attachent à des pôles d'attraction extraterrestres comme des paresseux ou des gens faibles. Ou des gens... Mais ce n'est pas vrai. C'est un jugement qui est faux. Celui qui a choisi un quartier de gens religieux pour habiter, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi la facilité du tout, du tout. Ce n'est pas facile du tout. Mais seulement, il a une garantie qu'il va changer, que ses enfants ils sont protégés et que ses enfants aussi ils vont être portés par l'endroit. L'endroit, il va les porter, il va les aider. Alors que si quelqu'un il va dans un endroit, dans un quartier où les gens ils sont comme ils sont, il se met en danger, il se met dans un pôle d'attraction. Puis le Rambam il te garantit, tu vas devenir comme ça. Et là-bas, il dit le Rambam que si tu vois qu'il n'y a pas d'Irat Shamaim dans l'endroit où tu habites, tu dois aller dans un autre endroit. Et il dit, si tu fais le tour du monde, il n'y a pas d'Irat Shamaim, il te dit, tu dois aller habiter dans le désert. Mais c'est la halakha, c'est pas quelque chose de... C'est pas un plan mystique, hein. C'est pas du tout un plan mystique, c'est la halakha. Parce qu'il te dit, si tu vois que le monde entier, ils sont tombés, ne reste pas avec eux, parce que c'est une sakana. Maintenant, l'habiter dans le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le gars, il n'a pas de minyan, c'est une vie de c'est une vie de fou d'habiter tout seul dans le désert avec sa famille, comme il fait le Chacham dans le Sipur Masiot, qui va habiter dans le désert, il voit que les gens ils tombent dans la picorsoute, il va habiter dans le désert. C'est une vie, c'est très très difficile, très très difficile. Maintenant ce désert-là, par exemple pour un Baal Tshuva, de vivre dans un milieu religieux, c'est un désert pour lui. C'est comme si quelqu'un va habiter dans le désert, c'est encore pire. C'est le désert avec des moustiques et des trucs, avec des bêtes sauvages, des trucs comme ça. C'est très difficile pour lui, très très difficile. Mais il a une garantie que c'est un pôle d'attraction extraterrestre. C'est-à-dire qu'il est garanti que ça le tire vers le haut et ça ne le tire pas vers le bas. Bien sûr, il ne faut pas qu'il se révolte. S'il a des nerfs et de la haine et des blessures, après c'est très difficile. Mais il faut se travailler, il faut remercier Akadosh Baruch Hu que quelqu'un a le sroud d'habiter dans un endroit où le milieu lui-même il va le transformer. Alors ce principe d'Avodat Hashem, il ne faut pas croire que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais par rapport à la rentabilité de la semaine des 39 travaux, ça a l'air de quelque chose de facile. Mais ce n'est pas facile du tout.
Du tout, du tout. Mais c'est un travail dans, c'est un travail qui tourne pas dans les, avec les melachot. Donc ça donne pas l'impression que la personne elle a travaillé. Ça donne pas l'impression. Quand tu dis à quelqu'un j'ai été à Oman à Oshana, il a pas l'impression que tu as fait quelque chose. Tu dis tu vas là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire c'est quoi? Mais c'est pas ce que ça veut dire de faire ça. Ça demande beaucoup d'efforts, même pas tout, c'est des efforts. C'est-à-dire de quitter Eretz Israël, de c'est sa famille, d'aller prier dans un minyan comme il est, de manger comme il mange, de dormir comme il dort, comme Rabbi nous l'a dit, manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier, faut être chez moi au chemin. Parce que c'est difficile, mais ce difficile-là, si tu vois le rapport par il n'y a personne qui est garanti d'être écrit dans le livre des tzadikim. Voilà, Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre des tzadikim tout de suite. Tout de suite, le premier soir, il est inscrit, tout de suite. Alors quelqu'un, tu lui dis ça, tu dis, ouais, mais attends, moi j'ai... Mais qu'est-ce que ça... Quel rapport tu vas faire entre ça et quelqu'un, il va manger, ok, le couscous de sa belle-mère, ok, c'est, il est très bon, les nifla et tout. Mais par rapport à ça, mais en quoi tu compares? Où tu as ta synagogue, où tu pries avec ta place et tes habitudes et les chants, et tout le monde chante en même temps, le rabbin il est sympathique. Ok, mais quel rapport ça avec être inscrit dans le livre de la vie? Moi je préfère que le rabbin il ne sache pas chanter, et je préfère que je n'ai pas où m'asseoir et truc, mais tu m'inscris dans le livre de la vie. Ça veut dire que je vais avoir une année connectée avec Dieu, c'est ça que je cherche. Plutôt que tu m'assois dans un fauteuil et que j'entends un rabbin, il va chanter. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Si tu me garantis, tu peux me garantir que je suis inscrit dans le livre de la vie, il n'y a pas de problème. Si on peut joindre l'utile à l'agréable. Mais s'il n'y a pas, c'est pas mon choix, il ne va pas être sur ça. Alors tout ça, c'est des choix shabbatiques, c'est-à-dire ce sont des choix qui sont des choix d'extraterrestres. Ce n'est pas des choix. Les gens, ils ont essayé de mettre la Torah, de la rendre le plus terrestre possible, c'est-à-dire avec beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup de que ça soit en même temps agréable mais c'est pas toujours comme ça. C'est vrai que la perfection, ça serait ça. C'est pour ça qu'aussi à Oman on investit, on essaye de faire que ça soit le plus agréable possible aussi pour que les gens ils aient les deux, c'est-à-dire qu'en même temps ils disent ouais c'était bien, on a bien dormi, on a bien mangé, on a bien prié, c'était agréable, etc. On essaye de faire aussi que ça soit comme ça. Mais des fois, c'est malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est pas ça qui doit déterminer le choix. Alors, ce principe-là, c'est un principe énormément important. Et ça s'appelle la tshuva d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Hachem il fait tshuva. Et quand Hachem il fait tshuva, il va t'obliger à faire tshuva. Tu vas être obligé de faire tshuva. Alors, les gens disent, mais comment Hachem il va m'obliger à faire tshuva? Moi, il est mon libre arbitre. Mais c'est là où il est, ton libre arbitre, c'est ça. Ton libre arbitre, c'est de rentrer dans la tshuva d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ton libre arbitre. Quand tu vas rentrer dans la tshuva d'Akadosh Baruch Hu, tu vas faire tshuva malgré toi. Et tout ce qu'on est là maintenant, c'est parce qu'on a fait tshuva malgré nous. Ce n'est pas notre choix qui nous a fait faire tshuva. La sortie d'Égypte, elle a été malgré eux. Les gens, ils sont sortis d'Égypte. Les gens qui font tshuva, c'est malgré eux. Ce n'est pas eux qui décident. C'est la tshuva d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'ils font tshuva. C'est-à-dire que c'est le premier propriétaire, comme on dit pour l'esclavage, c'est le premier propriétaire qui vient sortir son contrat d'achat et qui dit, je m'excuse, ici il y a un problème, cette personne elle m'appartient, je l'ai acheté déjà il y a longtemps. Et l'autre il dit, bon, il y a eu une erreur, moi je croyais qu'il était libre, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne savais pas qu'il était déjà vendu. C'est tout. Quand Hachem il fait ça, la personne elle fait tshuva. C'est-à-dire Hachem il le libère par en haut, pas par en bas. Les avots, ils ne vivent pas dans le même système. Pourquoi les avots, ils ne vivent pas dans le même système? Les avots, c'est eux qui ont trouvé Akadosh Baruch Hu, c'est pas le... Ils ont trouvé Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ouais, ils ont cherché. C'est pas des chercheurs. Le système, il fonctionne bien. Pour eux, le système... c'est eux-mêmes le Shabbat. Eux-mêmes, c'est le Shabbat. Mais je peux te dire que tu prends les avots, n'importe lequel des avots, tu le fais naître comme il est né. Tu prends Avraham Avinu. Tu le fais naître comme il est né, d'accord? Aujourd'hui, jamais il va devenir Avraham Avinu. Le monde comme il est aujourd'hui, jamais il deviendra Avraham Avinu. Si on est bien noir, Avraham Avinu. Ça, c'est la question qu'on pose sur noir.
Même Avraham Avinu, les conditions, si tu veux, les conditions de recherche, c'était pas du tout les mêmes. Regarde dans des gens plus simples, regarde, tu prends tes grands-parents par rapport à nos grands-parents, par rapport à nous, c'est des tzadikim. Même s'ils ne faisaient pas le dixième de ce que l'on fait dans la Torah. Mais tu vois leur comportement, leurs valeurs, tout, leur moralité, c'est des tzadikim. Alvaï que quelqu'un aujourd'hui, avec toute la Torah, il arrive à la moralité de quelqu'un qui n'avait pas de Torah il y a 100 ans. Tu vois bien que le monde, c'est un autre monde. Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il va te rester comme voix. À la fin, il ne restera que la voix shabbatique. C'est la seule chose qui te restera. Il ne restera plus rien dans le monde. Toute la semaine, ça sera impossible. Impossible à gérer. Les gens ne pourront pas trouver Hachem dans la semaine, c'est-à-dire s'ils n'ont pas Shabbat. Impossible. Pas de place où se garer. Hein ? Il n'y a pas de place où se garer. Maman, je n'ai pas de place. Ils vont interdire les voitures. Même dans un Midrash. Hein ? Ah, mais ta Midrash, c'est Shabbat. Tu n'es pas dans l'Olam Hazé. Tu es sorti déjà. Mais pour un Ben Adam, prends un Ben Adam Pachout qui ne sait pas. Il ne sait pas. Et même un traditionnaliste comme ça, basique, qui connaît la Torah juste. Une Torah de tradition, pas une Torah vivante. C'est très difficile. Très très difficile. Comment on va trouver Hachem dans la semaine? Très difficile. Maintenant, quand tu le sors, alors il y a des chances pour qu'il se fasse attraper par l'attraction extraterrestre. Mais tant qu'il est dedans, c'est très très difficile aujourd'hui. Et ça va être de plus en plus difficile. Bien que maintenant, je dis, c'est une abstraction terrestre qui est imaginaire. Mais même ça, c'est difficile. Même si tu dis à quelqu'un, regarde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de l'imagination. Même quand tu lui dis ça, ça ne l'empêche pas de que ça soit Yetzirah. Même s'il est imaginaire. Même s'il n'est pas vrai. Même si ce n'est pas réel. Ça n'empêche pas que la personne elle est accrochée à la chose. Alors qu'elle est complètement, la chose elle est fictive. Mais elle est accrochée quand même. Pourquoi tu dis qu'il n'est plus imaginaire aujourd'hui? Il y a des choses... Pourquoi c'est que l'imaginaire? Aujourd'hui, le rapport, si tu veux, le rapport avec... Rabbeinu l'a dit qu'aujourd'hui, on appellera le Yitzhara, le nouveau nom qu'on va lui donner, c'est quoi, Ramdam? C'est l'imagination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport, si tu veux, de plaisir, tout ça, c'est que imaginaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, je ne peux pas te donner un exemple parce qu'on vit dedans. Si je t'avais un exemple de ce que c'était vrai il y a 3 ou 4 siècles, là, tu pourrais voir la différence. Mais tu ne peux pas le voir aujourd'hui parce que tu es dedans. Tu ne peux pas savoir. Prends quelqu'un qui vit avec, par exemple, de la lumière bleue. Il est né là-dedans et toute la vie, il vit là-dedans. Maintenant, tu lui dis, tu sais, la lumière, elle n'est pas bleue normalement. La lumière, elle est blanche ou elle est jaune. Et il ne sait pas de quoi tu parles. Il vit là-dedans. Aujourd'hui, le Tiara, il s'appelle imaginaire. C'est de l'imagination, c'est tout. C'est du virtuel, c'est tout. Tiara, il est virtuel. Et tu verras qu'aujourd'hui, les gens, ils vont préférer regarder un film que de vivre quelque chose. C'est-à-dire, ils préfèrent la sensation qui est donnée par le occasionnée par le virtuel, plus que de vivre quelque chose. Dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas de réalité. La réalité aujourd'hui, elle est virtuelle. Il n'y a pas de réalité. Et Rabbeinu, ça, il a dit il y a 2 siècles. Ce n'est pas maintenant. Rabbeinu, il y a 2 siècles, il a dit déjà ce qu'on est en train de vivre maintenant. Lui, il a dit il y a 2 siècles que ça allait être comme ça déjà. C'est pour ça que tout le monde, les gens, ils sont levés contre lui. Ils ont essayé de faire de la marloquette, etc. Parce que personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait comprendre de quoi il parlait à l'époque, parce que c'était embryonnaire, le problème il était embryonnaire. Aujourd'hui le problème il est sorti bien, et il va sortir encore plus, on est au début. Donc tu vas voir que tu vas arriver à une époque où, déjà regarde, aujourd'hui déjà le travail avec Internet, comment ça marche, que beaucoup de gens travaillent sur Internet, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus du tout, ils ne travaillent que dans du virtuel, c'est tout. C'est-à-dire, mais à la fin, tout ce virtuel, il faut qu'il sorte quelque chose de tout ça. Il faut bien qu'à un moment, il y ait un morceau de pain qui vienne sur ta table. D'où il va sortir le morceau de pain? Il va sortir de l'imprimante 3D. Voilà, quelqu'un, quelqu'un il a fabriqué des armes avec une imprimante 3D. Des armes qui peuvent tuer, en plastique, avec une imprimante 3D. Il en a fait quelques-unes, je ne sais pas, une dizaine, un truc comme ça. Et il a été arrêté. Parce que bon, le gars, il savait pas que c'était quelque chose d'interdit. Il a fait ça comme un exploit.
Mais voilà, on est déjà dans la... on ne sait pas. Déjà, le manger aujourd'hui, ce n'est pas du vrai manger, les trucs. On est dans un... Et on ne sait même pas jusqu'où ça va aller. On n'a aucune idée de là où ça va. Mais est-ce qu'on est, bon, Hachem, on doit être joyeux, qu'on a l'air d'être au fond déjà de pas mal de choses. Donc, on n'est pas loin d'avoir touché le fond d'humanité. Donc, la fin, elle est proche. D'après ce qu'on voit, la fin est proche. Parce que c'est difficile de voir jusqu'où ça va descendre. C'est-à-dire, c'est déjà bien descendu. Pas jusqu'où ça. C'est-à-dire, on est déjà. Le monde, il vit dans le virtuel, je ne sais pas, 20-30% déjà. Il suffit que ça passe à 60-70%, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, le gars qui va faire un pain, les gens qui va savoir faire un pain, les gens, ils vont le regarder comme un sorcier. Qui sait faire un pain ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui savent que connaissent que des claviers, c'est tout. Il n'y a pas de. Ils ne savent rien faire d'autre. Ouais. Des chiffres et des trucs. Vekar Hatshuva Obrinat Shabbat Kanal, donc c'est de là qu'on est parti dans le Dalet, Shaledi Shabbat Nitakni Mimeachol, Kiyom Ashvi Shu Shabbat Obrinat Tshuva Shemetaken Kol Shivat Ayamim, Aken Kol Shiva Ayamim Shabbat Achat. Dal Ken Kshirotzim Lizkot Le Tshuva Bishlemut, Dainu Lasot Tshuva Al Tshuva, Tzichim Sheva Shabbatot Daika, Shem Obrinat Shabbat Achar Shabbat. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Sheva Shabbatot Tmimot. On ne dit pas Sheva Shavuot, on dit Sheva Shabbatot Tmimot. C'est-à-dire que c'est des Shabbatot complets. Mama Shabbatot complet. Tshuva achar tshuva, ashe zochen et tshuva shlema. Donc on fait tshuva sur la tshuva. C'est-à-dire que, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva sur la tshuva? Ça veut dire qu'on ne s'installe pas du tout. On ne s'installe pas. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à un petit peu à mettre les choses en place, tac, on enlève la nappe, les trucs et tout, on remet une autre nappe, on remet d'autres couverts, on refait du manger, et trucs, on reste pas. C'est-à-dire, on reste, c'est ça tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, c'est pas le gars, il fait tchouva et après, parce que si tu fais tchouva et tu restes comme tu es, la pesanteur, elle te mange complètement, c'est fini. Parce que tout se récupère dans ce monde. C'est-à-dire, la pesanteur, elle a une force terrible de récupérer tout. Tous les individus, toutes les idéologies, tout se récupère. Il faut faire sans arrêt, il faut remettre en question la révolution verte, comme ça, le nian du trachut, c'est-à-dire d'être une tradesh chaque jour. Mais tradesh, il faut renouveler l'engagement. La tchouva, c'est sûr que notre tchouva, chacun, elle n'est pas bien, elle n'est pas complète. C'est bien d'avoir fait tchouva, mais elle n'est pas parfaite. C'est une tchouva de chol, ce n'est pas encore une tchouva de Shabbat. Elle n'est pas propre complètement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui injecter du Shabbat dedans, c'est-à-dire la remettre en question. Shabbat sur un Shabbat. Sheva Shabbatot Tumimot. C'est-à-dire de faire Shabbat et sur un autre Shabbat et sur un autre Shabbat. Jusqu'à qu'on sort complètement dans toutes les. C'est-à-dire tu prends toutes les midot, tu en fais Shabbat, c'est-à-dire toutes les sphirot, tu en fais un Shabbat et après tu passes dans une autre mida, encore un Shabbat. Jusqu'à que tu passes comme ça toutes les sphirot. On finit toujours par Malchut. Chaque sphira, on finit par Malchut. Malchut c'est Shabbat. Shabbat Malketa. C'est-à-dire, c'est le nian de la malchut, c'est le nian de Shabbat. Quand tu arrives à malchut, malchut c'est féminin, c'est lunaire, le principe de malchut, du pouvoir. C'est quelque chose de féminin, quelque chose de qui est lunaire comme principe. Donc à la fin de chaque sphira, on arrive à malchut. Après on recommence, recède, etc. Encore malchut, encore malchut. C'est-à-dire, le but de chaque semaine, c'est le Shabbat. Le dernier jour de la sphira de la semaine, et après encore un autre, et encore un autre, et il faut faire sans arrêt tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, il faut revenir, même de là où on croit être revenu, il faut revenir de là aussi. C'est-à-dire, de là-bas aussi, il faut remonter, parce que la force d'apesanteur, elle récupère chaque chose. Dès que quelqu'un s'installe, il se fait récupérer tout de suite. Même s'il s'installe dans. Rabbeinu, il a dit, quand on lui a dit pourquoi tous les tzadikim, ils ne sont pas arrivés à son niveau, etc., il a dit parce qu'ils se sont arrêtés, c'est tout. À un moment, ils se sont arrêtés. C'est tellement beau là où ils sont arrivés, tellement haut qu'ils se sont arrêtés. Mais lui, il ne s'est jamais arrêté. Il a dit, moi, le chidouche, c'est qu'il n'y a rien qui a pu le retenir. C'est ça, le il n'y a rien qui l'a retenu en bas. La retenue, c'est le contraire de la tchouva. La tchouva, c'est ne pas se faire retenir. Dans l'endroit où on est.
Même si on a réussi, Baruch Hashem, qu'on fait Shabbat et qu'on fait ça et qu'on fait tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de choses à découvrir et à faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours remettre en question, sans arrêt. Sheva Shabbatot. Hachinasim kol ha-shabbatim kol ha-tshuvot beprinat sheshet yamin. Hachizuchim la-asot aleim tshuva beprinat Shabbat shehu yom ha-shvi'i shemetaken hakol. Dainu Shabbat ha-shvi'it. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les maasés? On transforme les semaines en Shabbatot. C'est ça ce qu'on fait pendant Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, puisqu'on fait Sheva Shabbatot Mimot, qu'est-ce qu'on fait? Shesh Shabbatot, c'est qu'on a transformé les six jours de la semaine en Shabbat. C'est ça ce qu'on a fait pendant les six semaines. Et après, on attaque la dernière semaine, avant Matan Torah. Ça, c'est le Shabbat lui-même, le Shabbat des Shabbatot. C'est-à-dire, une fois qu'on a transformé tous les jours de la semaine en Shabbat, après on rentre dans le véritable Shabbat. C'est-à-dire ce Shabbat qui est le résultat un résultat, c'est-à-dire un vrai Shabbat qui a été payé entièrement. Pas Hachem qui te l'a payé, c'est toi qui l'as payé. Pourquoi? Parce que tous les jours de la semaine, tu les as complètement dévitalisés de la matière. Tu as enlevé toute la stara d'Hachem qu'il y avait dans la matière pendant les six jours de la semaine. Il n'y a plus rien dans le monde dans lequel tu ne vois pas la présence divine. Donc c'est fini, ce monde-là, la lune, elle est devenue entièrement brillante, elle s'est mise en face du soleil et reflète entièrement la lumière du soleil. Donc ça, c'est le but de chaque semaine. Chaque semaine, c'est dans une mida qu'on fait ça, chaque semaine de la sphira, on fait Chesed, Gvura, Tiferet, on est dans Netzar, et chaque fois on répare une mida. C'est-à-dire on prend tout un angle, et cet angle-là, qui est mis dans une mesure, c'est-à-dire une façon de voir les choses, on cherche comment on va l'inclure entièrement dans Shabbat. Une fois qu'on l'a inclus dans Shabbat, on passe à une autre. Et comme ça, les six jours de la semaine, ils se sont inclus dans Shabbat. Et après, on fait un vrai Shabbat. Mais les maasés, ce n'est pas Shabbat, ce n'est pas le Shabbat de Bereshit qu'on compte. Les Sheva Shabbatot qu'on compte, ce n'est pas un Shabbat de Bereshit. C'est pas le Shabbat de Bereshit. Alors ils m'ont dit, mais Mahorat HaShabbat, c'est Acholiot, Yom Sheni, ou Yom Rishon, la fille. Mahorat HaShabbat, c'est le lendemain de Pessah. C'est-à-dire le lendemain de Pessah. Alors c'est quoi ce notion de Shabbat? C'est la notion. C'est-à-dire justement, la question que tu poses, c'est une réponse, c'est pas une question. Pourquoi on appelle Mahorat HaShabbat? Pourquoi c'est pas à Shabbat qu'on est sorti d'Égypte? On aurait pu sortir, mais peut-être c'était mercredi ou lundi ou dimanche. Ça change rien. Ça s'appelle Shabbat. Pourquoi? Parce que tu es sorti d'Égypte, c'est tout. Donc tu es rentré dans la pesanteur de l'autre monde. Donc ça s'appelle Shabbat. Chaque fois que tu vas tourner sur le système de l'autre monde, ça va s'appeler Shabbat. Il y a deux systèmes d'exploitation, si tu veux. Système d'exploitation de ce monde-là, ici, et système d'exploitation de l'autre monde. À chaque fois que tu vas tourner sur l'autre système, ça s'appellera Shabbat. Même si c'est le jour où il n'est pas Shabbat. Quand tu dis Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, pourquoi il est Beshabbat et pas Yom Sheni? Il n'est pas dans Shabbat. Comment il est dans Shabbat? Il est dans Shabbat. C'est-à-dire, ce qui s'appelle Yom Sheni, le Tov qu'il y a dans Yom Sheni, il est dans Shabbat. Maintenant, l'emballage de Yom Sheni, c'est vrai qu'il s'appelle Yom Sheni, mais c'est un emballage, c'est rien du tout. Mais le bien qu'il y a dans le Yom Sheni, il vient du Shabbat. Donc maintenant, c'est dans Shabbat où tu as toute l'énergie de tout le lien de Matan Torah. Et le matin de Torah Amiti, c'est celui-là. C'est-à-dire de transformer chaque jour de la semaine en Shabbat. Et normalement, les six jours de la semaine, ils correspondent aussi à Sfirot, Reset, Gvura, Tiferat, Netzach, Od, Yesod. C'est-à-dire que ça correspond à ces. Puisque jeudi soir, c'est Yesod. C'est-à-dire le vendredi, c'est Yesod. Et après, on rentre en Malchut, qui est Shabbat. Alors, quand on a fait ces six jours-là, ces six Sfirot, qu'on les a inclus dans Shabbat, après, tu passes dans un Shabbat d'une autre dimension complètement. Mais si on est dans la 50e porte, comment on peut travailler là dans les 49? Non, justement, c'est-à-dire notre travail aujourd'hui, ça ne s'appelle pas vraiment un travail. Tu comptes, c'est-à-dire tu te languis, c'est tout. C'est ça ton travail. Ton travail, c'est que tu veux et tu te languis, c'est tout. Tu veux rentrer, c'est tout. Tu te languis, tu dis quand est-ce que je vais rentrer? Quand est-ce que Hachem, tu vas me laisser rentrer? Et cette attente-là, avec ce languissement, c'est ça qui va te purifier pour pouvoir rentrer. Mais il n'y a pas quelque chose à faire, mamache,
pendant la Sphira. Tout le lien de la Sphira, c'est un du languissement. Et aujourd'hui, on est Béchelémout là-dedans. Avant, il y avait un petit peu, les gens bricolaient un peu. Aujourd'hui, il n'y a plus, les gens ne peuvent que vouloir, c'est tout. Après, les maasés qu'on fait, Rabbeinu dit, dans ses Kotaran, c'est écrit, Rabbeinu dit, qui est-ce qui peut dire qui sert Hachem? Qui sert Hachem? Il dit, qui est-ce qui peut dire, moi, je sers Hachem? Il dit, quelqu'un, il veut servir Hachem, c'est bien. Et après, ce qu'il fait, c'est stable, Keilou, il fait des petites choses comme ça. Mais servir Hachem, qui est-ce qui peut dire, il sert Hachem? Mais il veut servir Hachem. Ça, il peut. Vouloir servir Hachem, t'es libre de vouloir, et il faut t'investir dans le vouloir. Maintenant, sache que tes actions, elles n'ont aucun rapport avec ce qui s'appelle le service divin. Mais tu voudrais, c'est-à-dire toi, tu veux servir Hachem. Et après tes actions, tu fais ce que tu peux, c'est tout. Comme un petit enfant, il veut te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a dessiné, il a pris un feutre, il a fait une espèce de rond n'importe comment sur une feuille. Il te dit, regarde le beau dessin. Maintenant, si tu ne sais même pas toi à quoi ça ressemble, tellement que c'est horrible. Mais lui, il a mis tout son cœur là-dedans. C'est ça ce qu'il voulait te faire plaisir, c'est tout. Il t'a fait un dessin et il veut te faire plaisir. C'est ça que tu regardes. Tu ne regardes pas le dessin qu'il a fait. Tu regardes que lui, il veut te faire plaisir. C'est la même chose. Beaucoup, ce qu'il voit, c'est qu'on veut lui faire plaisir et qu'on a vraiment envie d'être bien et de faire tout pour lui donner de la joie, qu'il soit joyeux de nous, c'est tout. Mais nos actions, elles sont ce qu'elles sont, c'est pas s'illusionner. Quelqu'un qui a une connaissance de la Torah complète et qui a une conscience de sa vie de chaque instant, lui, on peut dire que sa matinée, son Avodat Hashem. C'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est l'Avodat Hashem. Il a bricolé quelque chose. Même lui, c'est du bricolage. Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu est venu. Pourquoi beaucoup de gens ils ont été opposants et tout? Parce que Rabbeinu l'a dit. Il a remis, si tu veux, les gens à leur place. Et même les grands lames d'anime et tout, Rabbeinu les a remis en place. Quelqu'un, il est venu, il a dit qu'il étudie 100, dans 119 ou 116 d'apim de Gemara par jour. Alors Rabbeinu l'a dit, c'est Gemara Tria Me'at. 119 d'apim de Gemara par jour, c'est un petit peu, c'est bien, si tu dis un petit peu. Attends, 119 d'apim par jour, c'est bien, c'est un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Mais tu sais pas à quoi on peut arriver dans ce monde. Tu n'as aucune idée. Mais là, c'est pour ça qu'il te dit de faire tchouva sur la tchouva. Parce que sinon, tu vas croire que tu es arrivé à quelque chose. Tu vas croire, tu prends un indigène qui vit dans la brousse et tout, quand il a construit sa cabane et que ça le protège un peu du vent et de la pluie et que il a fait un petit feu pour faire chauffer un peu du manger, faire cuire quelque chose, pour lui c'est nifla, il est arrivé au maximum. Maintenant amène-le dans un immeuble ultra, une tour ultra moderne à New York et tout, tout est électronique et il rentre et tout, il peut pas imaginer que ça existe là où il est. Nous c'est pareil, tout ce que tu peux faire dans Avodat Hashem, sache que c'est ma mâche, un petit gribouillis que tu peux faire. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est vouloir vraiment servir Hachem. Et être honnête, tu vois. C'est sur l'honnêteté qu'il faut. C'est sur la vérité qu'il faut insister. La seule chose qu'Hachem te demande, c'est d'être honnête avec lui. De vouloir et d'être... Dans ton honnêteté, tu vas prouver ton niveau, si tu veux. Ton niveau de sincérité, de vouloir. Si tu ne fais pas des averot, ça veut dire que vraiment tu veux servir Hachem. Tu comprends? Ne regarde pas ce que tu fais comme mitzvot. Ça, c'est parce que tu sais pas quel niveau elles ont tes mitzvot. Mais en tout cas, tu es avérante. Si tu n'en fais pas, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un qui veut servir Hachem. Behemet. Et tu fais tout ce que tu peux. C'est-à-dire, tu ne fais pas de mal déjà. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, ne faites pas de mal. C'est tout ce que je vous demande. Ne faites pas de mal. Parce que quand tu ne fais pas de mal, tu prouves que c'est vrai ce que tu fais. Quand tu ne fais pas de mal, tu vois, tu as une possibilité de faire quelque chose de mal, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es engagé avec Hachem. Alors ça, au moins, tu ne le fais pas. Tu comprends? Tu ne peux pas dire que tu as envie d'être un tzaddik si tu fais des avérotes. Ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne marche pas dans ton système. Tu ne peux pas dire en même temps, ouais, moi je fais des trucs et tout, et à côté tu fais des avérotes, que tu sais que c'est des avérotes. Parle pas maintenant quelque chose que tu as fait et que tu t'es pas rendu compte. Parle quelque chose que tu sais consciemment que c'est assourd et tu ne peux pas te retenir, tu le fais. Donc tu vois qu'il y a un problème d'engagement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors tant que tu vois des choses comme ça, avec là, il n'y a même pas besoin de parler. Maintenant, on parle d'un autre niveau. Quelqu'un qui ne fait plus des avérotes. Bémézide, il ne fait plus des avérotes. C'est-à-dire, il est entièrement,
engagé avec Akash Bokhu, il ne fait plus de mal du tout. Ça, c'est un niveau, c'est un très grand niveau. Quelqu'un qui est là-dedans, même lui, on lui dit, regarde mon ami, renouvelle-toi, parce que tu n'as même pas commencé. Rabbeinu, il a dit, vous pouvez m'amener le plus grand lamdan, je vais lui montrer qu'il ne s'est pas étudié du tout. Bichlal, qu'il n'a pas commencé à étudier. Comment quelqu'un, tu amènes un lamdan qui connaît toute la Torah par cœur, tous les mefarchim, tous les trucs, tu vas dire qu'il n'a même pas commencé à étudier. Tu peux imaginer ça, ben, tu ne peux pas imaginer parce que tu ne sais pas ce que c'est. Comme le bonhomme qui est dans sa petite, qui a construit sa petite cabane dans la forêt, il ne peut pas imaginer qu'il existe un truc avec un ascenseur que tu montes 80 étages en 3 secondes et que tu te trouves dans un truc entièrement digitalisé et qu'avant d'arriver à la maison, tu envoies un message, le café il est déjà en train de se faire, que tu arrives, la tasse elle est déjà servie, le café il est chaud, sucré, etc., le manger. Il peut pas, de quoi tu parles? Il ne sait même pas que ça existe, des choses comme ça. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Celui qui n'a pas commencé à l'orner, c'est encore moins. Hein? Celui qui n'a pas commencé à l'orner, c'est encore moins. Ah, bien sûr, encore moins. C'est que celui qui n'a pas commencé, il ne sait même pas qu'il n'a pas, pas ce quoi faire la deuxième tchouva. Et la deuxième tchouva, il faut qu'elle vienne. Quand on va renouveler, il faut qu'on ait quelque chose à renouveler. S'il n'y a pas quelque chose sur quoi on va renouveler, il faut qu'il commence, c'est tout. Celui qui n'a pas commencé, il doit commencer. Mais il faut savoir toujours que le ratson, c'est-à-dire le vouloir, c'est ce qu'il faut purifier le plus. Et le vouloir sincère, c'est quand tu fais plus d'avérot. Ton vouloir, il est vrai, c'est quand un jour tu dis à Hachem, regarde, je m'engage, maintenant c'est terminé. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus d'avérot. Bémézid, je ne ferai plus d'avérot. Tu verras, dans la vie, tu arrives à un moment de maturité comme ça, de avodat Hachem, où tu t'engages, c'est pas assour la lachan, c'est un engagement entre toi et Hachem. Il y a un moment où tu t'engages à ne plus faire de mal du tout. Et ça, c'est, si tu veux ça, tu peux être sûr que tu t'es engagé. Ça, c'est de l'engagement, tu comprends. Mais par rapport à avodat Hachem, ce que tu fais, tu sais pas ce que c'est l'avodat Hachem. Tu fais ce que tu peux, c'est tout. Mais ne crois pas que c'est ça avodat Hachem. Ne crois pas que c'est ça de la tefila, ne crois pas que c'est ça du limoud, tu comprends. Tu fais ce que tu peux, c'est tout. Mais ne crois pas que c'est ça. Parce que dès que tu crois que c'est ça, tu as la pesanteur qui commence à te tirer vers le bas. Alors, Rabbeinu, il te dit, tu dois te sauver sans arrêt. Comme quelqu'un qui, comme quelque chose qui tombe vers le sol. Il faut lui donner tout le temps une énergie qui le ramène vers le haut. Parce que sinon, la pesanteur, elle est là. Elle tire la personne vers le bas. Donc, il faut lui donner un coup de fouet à chaque fois pour que ça remonte, sans arrêt vers le haut. J'avais un machal, quelqu'un dit un roi, il a envoyé son fils chez un sage pour qu'il lui apprenne toutes les chormons, toutes les sagesses de ce monde, etc. Alors, des années après, le fils il est venu, le père il a vu que le fils il était vraiment savant dans tout, etc. Alors le roi il a remercié cette personne là, il lui a donné un prix, il lui a rajouté un cadeau, etc. Et après, le maître là, qui a formé le fils, le prince, il a dit, il y a une chose encore que j'ai besoin d'apprendre à votre fils, il faut que vous me l'envoyez une journée et je vais lui apprendre encore quelque chose. Alors le roi, il l'a envoyé. Alors le maître là-bas, il a pris le fils, il lui a donné des coups. Il lui a donné des coups sur les pieds, des coups et des coups et des coups, jusqu'à qu'il le fasse saigner. Jusqu'à qu'il n'en puisse plus de douleur. Et après, il lui a dit, bon, maintenant, tu peux rentrer chez toi. Alors, le prince, il rentre. Quand le père, il le voit comme ça, avec les pieds en sang et tout, il appelle, il dit tout de suite, amenez-moi le maître, là, je vais le condamner à mort, on va le pendre tout de suite. Et il dit, mais avant, je veux lui parler. Alors, il lui dit, mais il prend le maître, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait, une folie, qu'est-ce qui t'a pris de faire cette folie-là, de frapper mon fils, etc. Alors, le maître, il lui a dit, regarde, ton fils, il va être roi, et il va devoir donner des punitions à des gens. Donc maintenant, quand lui va donner une punition à quelqu'un, lui, va pas, lui il ne sait pas ce que c'est. Il va dire, donnez-lui 10 000 coups de bâton, par exemple. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est, même pas un coup de bâton, donc il n'a pas de problème. Il peut dire, comme je vous ai dit, 5 millions d'années, 10 millions, c'est normal, il ne sait pas ce que c'est le temps. Donc c'est pour lui, il peut y aller. Il va dire, 1000 coups de bâton, 10 000, 3 000, c'est rien. Mais maintenant qu'il a passé ça, maintenant il sait qu'est-ce que ça veut dire. Quand il va dire à quelqu'un 50 coups, c'est pas 40, c'est pas 80. Il va savoir exactement. Alors là, le roi, il a rajouté encore, il a dit merci, etc. Oh, quelqu'un qui ne sait pas
qui ne connaît pas la valeur des choses. Alors tu dis, qu'est-ce que ça veut dire étudier, qu'est-ce que ça veut dire prier, qu'est-ce que ça veut dire et garder sa pensée, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire Avat Israël, qu'est-ce que c'est le mitzvot, il ne sait pas, il n'a pas une si tu avais une dourma vivante de quelque chose qu'on te dit, tu vois, ça c'est un étalon parfait. Alors maintenant, tu vas essayer de ressembler à cet étalon parfait. Mais il n'y a pas d'étalon parfait. Même les gens qui sont très grands, ils sont loin d'être un étalon parfait. Donc, sache que ce qui compte le plus, c'est que ta Avodat Hashem, tu la fasses toujours avec du vouloir. C'est ça qui compte. Et si jamais le vouloir, Chas V'Shalom, tu vois qu'il est en baisse, c'est sur ça qu'il faut s'inquiéter. Mais la quantité, la qualité de la Avodat que tu fais, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu veuilles... tu entretiennes ce vouloir et que tu arrêtes de faire des avérantes. C'est ça qu'il faut. Tant que quelqu'un fait des avérantes, il ne faut pas qu'il parle d'Avodat Hashem. Ok, il est là, il est dans une salle d'attente, il fait ce qu'il peut, c'est tout. Mais pour l'instant, il est dehors, il n'est pas dedans le bonhomme. Pour rentrer, il faut arrêter de faire des avérantes. Si quelqu'un ne s'arrête pas, au moins Bémézide, je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui ne s'y rend pas compte. Mais quand tu sais qu'Hachem te dit, ne fais pas ça, il ne faut pas que tu le fasses, c'est tout. Tant que tu n'arrives pas à te maîtriser, ça veut dire que tu n'es pas engagé. Tu comprends? Tu n'es pas engagé complètement. Tu es engagé un petit peu, mais pas complètement. C'est ça qu'il faut viser en premier lieu. C'est à ça qu'il faut arriver. Une fois que Bezrat Hashem, on arrive à ça, après le reste, c'est déjà autre chose complètement. Mais la chose qu'il faut, il ne faut pas se leurrer. C'est à ça qu'il faut arriver. Première chose, c'est de ne plus faire des avirotes. C'est le premier pas dans l'Avodat Hashem. Et combien il faut travailler pour arriver à ça? Mais c'est le début, c'est-à-dire c'est le début du début, ça. C'est le commencement du commencement. C'est juste pour commencer. Si tu veux rentrer à travailler dans une banque, tu leur dis, mais moi j'ai un petit problème, c'est que je vole un peu des billets tous les jours, et tu vas voir qu'il ne te prend pas, tu ne vas pas travailler du tout. Là. Même si tu es un génie dans le marketing, dans ce que tu veux, tu ne vas pas travailler, ils ne vont pas te prendre. Là. Même si tu dis, moi j'ai des idées extraordinaires pour développer des plans de prêt pour les jeunes mariés, rentre chez toi, c'est bien. Ils n'ont pas besoin de toi, tu comprends? Ils ne vont pas te prendre, ça ne les intéresse pas. Les gens, ils ne savent pas, moi on dit les mis boule-ball. Il faut mettre les trucs clairs, sur le papier, que ça soit clair. La première chose, c'est qu'il faut arrêter de faire des avérantes. Ça c'est bémésite. Il faut arriver à une maîtrise que tu ne fais plus des avérantes. Ce qui est mal, tu ne le fais pas, c'est tout. C'est tout. Ça assourd, tu ne le fais pas. Fini. Tout ce qui est assourd, tu ne le fais plus. Le jour où tu arrives à ça, après tu peux t'inscrire. Tu peux rentrer. Tu peux t'inscrire dans Avodat Hashem. Et même quand tu vas t'inscrire dans Avodat Hashem, il faut que tu saches toujours que tout ce que tu fais, c'est un keilou, Rabbi nous dit. C'est comme, tu as fait comme si tu avais fait quelque chose. Comme si. Mais n'imagine jamais que tu es arrivé. C'est un principe pour toujours. C'est parfait. Tout le temps. Tout le temps. Pour c'est la tchouva sur la tchouva. C'est ce qu'il dit ici. C'était pour faire tchouva sur ta tchouva. Quand tu dis, quelqu'un dit oui, mais j'ai fait tchouva, etc., ça veut dire quoi, tu as fait tchouva? C'est quoi tchouva? Et ben voilà, moi, je mets les tef, ben moi, tu sais, ça fait déjà 2 ans, je ne vais plus dans les restaurants qui ne sont pas cachers. Hein. Ça fait 2 ans déjà hein, que j'ai. Non, d'accord, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est pas que c'est pas bien, mais attends, il y a du chemin, quoi. Il y a de la route à faire. Alors maintenant, même quelqu'un qui est haridi et qui fait attention à ce qu'il mange et qu'il truc et à ce qu'il dit, attends, il y a du chemin, mais au moins, ce que tu es conscient que c'est assourd, il faut arrêter. Ça, c'est le premier, c'est le début de l'engagement honnête, tu comprends? Tu peux pas dire maintenant, je vais devenir un lambda dans Torah si tu fais des avérotes, c'est pas cher. Tu ne peux pas avoir une asaga dans la Torah si tu fais des avérantes. C'est pas chayar, c'est quelque chose de contradictoire. Tu peux pas. Donc première chose, il faut développer un ratson tel, un tel amour d'Hachem, avec un tel vouloir de faire plaisir à Hachem, que déjà un jour tu dis, moi Hachem, tout ce qui ne te fait pas plaisir, je ne le ferai plus jamais. Tout ce que je sais et je me rends compte, je ne parle pas que quand je ne me rends pas compte, mais tout ce que je suis conscient et je sais que ça ne te fait pas plaisir, je ne le ferai plus jamais. Déjà, commence avec ça. Quand tu as passé cette étape-là, tu vas voir que après tu peux commencer à Avodat Hashem. Prinat Shabbat, Shiyom HaShviyi, Shemetaken HaKol. Dainu Shabbat HaShviyi, Shiyit Shuvah LaTshuvot, Shemetaken Kol HaTshuvot.
C'est-à-dire, tu vois, ce dernier Shabbat-là, il va réparer toutes les tchouvot des six Shabbatot qu'il y avait avant. Vazaya tchouva bishlemut. À ce moment-là, tchouva devient parfaite. Veprinat tchouva al tchouva. La tchouva sur la tchouva. Vazaya zochim le Shavuot prinat keter. À ce moment-là, on rentre dans Shavuot, qui s'appelle la couronne, c'est-à-dire le keter. On ne peut pas prétendre au keter s'il n'y a pas eu avant ce mahalach-là. Quelqu'un veut avoir Matan Torah. Il faut arranger ça déjà. Il faut que chaque semaine, tu la transformes en Shabbat. Ce que je vous dis, c'est-à-dire, chaque mida, il faut que tu la rendes shabbatique. Chaque mida, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, tout ça, il faut que tu les rendes shabbatique. Et la dernière, avant de rentrer, c'est Yesod. C'est-à-dire, Nyan Tikkun Abrit, c'est avant de rentrer dans Shabbat. C'est la dernière épreuve. C'est là où c'est le plus difficile. Mais tant que quelqu'un, il n'a pas réparé, il n'a pas rendu Shabbat, toutes ces midotes-là, il ne peut pas prétendre qu'il va rentrer dans Matan Torah. Dans Keter de Matan Torah. Il est dehors, c'est un spectateur intéressé, c'est un bon client, c'est un candidat libre, ce que tu veux. C'est très bien, c'est pas que c'est pas bien, mais il faut pas jouer le jeu de celui qui est dedans, parce qu'il n'est pas dedans, Berlin. Tant que quelqu'un fait des avérotes, il n'est pas dedans. Il faut qu'il arrange ça, des choses. Ça, il va l'arranger par un engagement d'amour, de ratson avec Hachem. C'est entre lui et Hachem, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. C'est son engagement par rapport à Hachem. Une fois qu'il arrive à un degré d'honnêteté et de sincérité comme ça, après, il peut commencer à parler un petit peu de Avodat Hachem, de Torah, de Tfila, de Mitzvot. Il peut commencer à parler. Tant qu'il n'y a pas ça, on est en voie de... Les pays en voie de développement, ça s'appelle. Zakou Babou, Shabbat Shalom.